Ah, mais merde à la fin! Alors attendez, je l'ai partagé. La suite du... Non, du connard. Du... Mais putain, avec un peu majuscule. Oh putain, je vais te niquer ta mère, toi, par contre, ça m'a énervé. Du stream RE8. Malheureusement, sans webcam. Non, pas webcam. Webcam. Car le... le stream a décidé de faire chier son monde. Mais vu qu'on a passé les moments les plus flippants, c'est pas grave. Venez, ça va quand même être fun. Voilà. J'espère. Hein, voilà. Attendez, ouais. Petite miniature que j'ai fait et c'est bon. Voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que mon stream fonctionne normalement? Sans webcam, bien évidemment. Oula. Attends, oula. Attends, non, il n'y a pas de souci là. Attendez. Attendez. Non? Mais attends, mais qu'est-ce qui... Attends. Non, 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 attends, qu'est-ce qui se putain de passe? Ça m'énerve, ça! Est-ce que j'ai le droit à avoir 2 secondes de putain de bonheur en faisant un stream? Putain, mais Twitch, nique ta mère au pire, au bout d'un moment. Ah, mais c'est bon! Ouais, c'est bon, voilà, putain, merde. Donc, attendez. Je supprime. Merde. Attendez. Je supprime mes anciens streams qui fonctionnaient pas parce que, bon, bah voilà, hein, quand tu veux essayer de faire bien les choses, mais que Twitch a décidé de faire de la merde, effectivement, on peut pas faire quoi, grand-chose, quoi. Donc c'est bon, voilà. C'est bon, tout va bien. Le stream fonctionne, je l'espère. Enfin, de toute façon, oui, hein, j'ai regardé, de toute façon, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. C'est bon? C'est bon, voilà. C'est relativement relou. Mais bon, comme j'ai dit, ce n'est pas grave. Parce que, à mon avis, j'ai passé les parties les plus effrayantes du jeu. Donc ça va. Donc, bonjour. Merde. Bah, mes munitions? Mes munitions du shotgun, où ils sont passés? Attends, c'est quoi ces carabistouilles? Jetez un coup Non d'œil, mais. faites à votre guise. Mais mes munitions? Rends-les-moi! Ah. Oh, putain. Non, mais attends, mais je me suis fait Revenez quand vous déglinguer voulez. là. J'ai que 16 de munitions, 5 de shotgun. J'ai de quoi sniper, mais quand même. Je me suis fait enfler là. Non, mais en plus, j'ai plus rien, mais j'ai Allez-y, plus n'hésitez rien. pas à jeter un œil. Ah, bah oui, je vais pas hésiter, mais putain, rendez-moi mes munitions, rendez-moi mon J'étais bonheur. sûr que vous achèteriez cela. Ouais, c'est ça. Revenez quand vous voulez. Merde! J'ai vraiment plus rien quoi. Bon bah c'est parti. Donc on a très bien avancé hier quoi dans Resident Evil 8. On a quasiment fait 70%, 80% du jeu, à tout casser, à tout péter. On a vaincu Dimitrescu, on a vaincu Bienvenido, on a vaincu enfin NG plutôt, mais bon ça va être pareil. On a vaincu Moro et on va vaincre évidemment notre cher ami Heisenberg. Enfin, ami évidemment, c'est qu'une façon de parler. C'est après, c'est le méchant quoi, c'est un méchant nazi évidemment, un classique, un classique. Et on doit se battre évidemment contre ces expériences plus ou moins ratées de créatures de Frankenstein. Voilà. Alors, pour résumer grosso merdo le noble qu'on affronte là en gros. Et ma foi, c'est très fun, hein. C'est vraiment très fun, je trouve. Alors attends, par où c'est qu'il faut caler? Ah oui, il faut mettre la petite pilule quelque part là, je crois. Ouais, c'est par là. Voilà.
Générateur de secours. On met la petite roue, grande roue dans le clé. Ah merde. Voilà, ça va être bien, Ethan. Parfait. C'est pas. Non, pas parfait, pas parfait, pas parfait. Oula. Oula, qu'est-ce que j'ai. Oh putain, ça va atterrir là. Ça va atterrir. Oh, Ethan. Quelle déception. C'est toi la déception. Je pensais qu'on pourrait unir nos forces contre cette salope de Miranda. Bah, je voudrais bien, mais. Oh putain, de merde. Vraiment déçu. Ya. Je sais pas combien il y en a derrière moi, mais je suis dans la merde. Elle m'a forcé, nous a forcé à être ses enfants. Elle nous a enfermés dans ce village. Des décennies à être un sapote. Putain de merde, là. Putain, là, faut se dépêcher. Oh putain de merde. Cette humiliation. Ouvre la porte, ouvre la porte. Parfait, 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 parfait. Putain, merde. Ce que je veux, c'est me libérer de ce. Après, j'ai. Peut-être quoi les affronter, mais. Oh putain! Ils sont trop nombreux! Assez de puissance! Attends. Ouais, il me faut. Ah, une petite mine. Une! Pour pouvoir la détruire. Parfait! Aïe. Bah, j'ai de la santé. Les forts écrasent les faibles, ainsi va le monde! Oui, on a compris qui c'est là. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Aïe. Il se prend un coup, mais il dit quel taré. Oh là là, franchement, t'es fou. Hein. Attends, oula. Non, mais quel connard je suis. Non. Quoi? Ça c'est quoi? Je sais pas à quoi ça sert, mais ça vaut toujours mieux de détruire tout ce qui est rouge qu'autre chose. Donc, sont les méchants. Enfin, je vais pas dire où sont les méchants, quoi. J'ai pas vraiment envie d'en affronter, quoi. Une mine. Salut, Raystech. Bienvenue au live. Donc, bon, je l'ai dit en début de live, mais il y aura pas de webcam, hein, évidemment. Bon, bah, sinon, je l'ai dit dans le tweet d'ailleurs. Et ouais, pas de webcam parce que ben il y a toujours ce gros souci de que quand je veux réinitialiser le son, ben ça désactive le stream, ça me casse les couilles. Alors que pourtant hier, tu vois, dans le deuxième stream, même non, dans le stream souvent je le faisais mais ça marchait et là je sais pas. Donc faut que je vois le souci là parce que ça m'énervait. Mais bon, on va dire que c'est pas grave dans le sens où je pense que j'ai passé les pires parties du jour en termes de peur. Donc ça va quoi. Là maintenant c'est juste un petit peu de stress par-ci par-là, enfin voilà quoi, rien de bien folichon quoi. J'ai passé le fœtus géant quoi, voilà. Là il y a juste quelques créatures de Frankenstein, il y aura sûrement quelques abominations par-ci par-là, mais bon voilà quoi. On est pas dans l'ambiance mais, oh putain. Toi tu cherches à compenser quelque chose. Bon. T'es vraiment très nul hein Heisenberg devrait avoir honte de toi. Parfait. En plus là j'ai mangé de quoi pouvoir me protéger longtemps, donc c'est bon quoi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah attends mais il me suit pas. Oh, andouille. Ah mais c'est vraiment des expériences ratées le truc. Hein. Ah la flemme qu'ils ont quoi. Mais respectez-moi deux secondes. Parfait. Attends, j'ai pas vu de la. Ouais, de la poudre noire. Est-ce que je peux pas. Non, je peux pas fabriquer de munitions. Il me faut de la ferraille. Quelqu'un a de la ferraille, s'il vous plaît. Mais il y a littéralement de la ferraille partout, putain. Par contre, si j'affronte Heisenberg, je ne pense pas que je vais avoir besoin de. Enfin, je puisse lui tirer dessus, quoi. Parce qu'il maîtrise littéralement les métaux. Là, oula. Oula, oh non, le dos. Parfait. Oh wow. Doucement. Créature de Frankenstein. Je sais quoi d'autre. Non.
Où est-ce qu'il est parti là? Ah, je crois qu'il est derrière moi. Je dis ça, je dis rien, mais. Bah, il est où? Ah, mais il est aveugle! D'accord! Ah, c'est cool! Bonjour! Ah! Ah, bah, il est mort! Il est mort? Ah non, je crois que je l'ai stun! Ouais, je l'ai stun! Attends, on va passer derrière lui. Merde! Ah merde, j'ai plus de munitions en plus! Oh! Allez, allez, allez! Allez! Ah! Oh putain, enfin! Reste à terre! Et un petit grand cœur mécanique, ça fait plaisir! Bon, j'espère que le son va bien, tout va bien. Dans le meilleur du monde! Oh putain! Allez, interagis, mais plus vite, Titane. Voilà, c'est pas comme si t'avais un gros monstre derrière toi, quoi. Littéralement. Attends, qu'est-ce que je peux faire? Ah, poudre noire. Ouais, on loot là, on loot. Hein. On loot, le loot. Oh, oh là là, que c'est. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a l'autre qui nous poursuit. En revanche. Bah non, à mon avis, il faut. Ouais. Ah putain, j'en étais sûr. Il manque quelque chose. Ah non, mais c'est bon. Ah, mais bienvenue, oui, c'est lui. Bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. J'espère, oh, mec, oui. J'espère. Oh, oh yeah. Donc attends, je vais vendre. Parce que qui a besoin de ça? Vous pourrez toujours me voilà. Racheter ça. Combinable, on le garde. Viande aussi. Ne peut être manger cru. Remède de premier soin, tout va bien. Grenade aveuglante, ça va être très utile. J'ai du nouveau en stock. Oh, c'est quoi? Ah oui, mais c'est pour la crosse du fusil à pompe, ça. De toute façon, j'ai strictement plus rien pour V61. Ah non, c'est pour. Ah, j'économise pour avoir ça, mais. Ça a l'air sympa. Entièrement ton équipe, il faut le modifier. Ouais, mais faut le modifier, quoi. Prévenez. Sauf que j'ai été si très vous con. Trouvez autre chose de valeur. Oh, fais-moi confiance. J'ai été con justement à avoir acheté le fusil à pompe. Enfin voilà, j'ai fait de la merde là-dedans, hein, en ce qui concerne d'acheter des armes modernes, alors que rien ne vaut le trench gun. Voilà. Vous savez, c'est typiquement ce genre de choses, tu vois. C'est un petit peu comme les orques, la manière des. Bah oui, c'est la manière des orques dans Warhammer 40 000. C'est-à-dire, tu penses à quelque chose très fort et ça fonctionne. Genre, tu fous de la peinture rouge sur un véhicule. Eh ben, elle va être plus rapide et puissante et tout, quoi, plus efficace. Bah là, c'est comme le trench gun, quoi. Certes, le trench gun, c'est le fusil à pompe le moins puissant du jeu, mais comme il est très stylé, je trouve, et que j'adore le trench gun, automatiquement, il va être beaucoup plus puissant, quoi. Parce que j'en ai décidé, parce que je le pense très fort. Voilà. C'est comme ça que se sont fait les choses. Pour Miranda, nous ne sommes que des enfants. Oh, c'est pas qu'elle nous aime. Ah non. Ça non. Elle a perdu son humanité depuis longtemps. Ah, bonjour. Bah, laisse-moi passer. Vous voulez avec les histoires de famille. Pareil. Dis ce que t'as dans le ventre, Titan. Pendant que je suis en train de lutter. Merci. Excusez-moi, pardon. Pardon. Excusez-moi. Merci. Espèce d'andouille, va. Quoi qu'attends, c'est du loot. Oh, ah oui, mais attends, mais si je mets du loot. Oh, merde. Ouf. Oh merde. Parfait. One shot. Eh ben dis donc. Voilà, ça c'était worth total. Parfait. Donc le sniper pour les petites bébêtes. Enfin comme ça quoi. Comme ça, ça fait du loot. Y'a quelqu'un? Ou alors c'est le chat à bugger. Ouf, parfait. C'est que je sais être efficace moi avec un sniper. Ah merde. Bouge pas trop, bouge pas trop, bouge pas trop. Ah c'est bon. Excusez-moi hein. Et comme pour hier, je veux au moins que le stream
Si j'ai la webcam, au moins que le stream fonctionne bien, quoi. Ah! Pas comme le sniper, là. Ah. Non, ça va, il a pas taunt. Va bien. De toute façon, voilà. Hein. Je suis Itan maintenant, je suis surpuissant, plus rien ne m'arrête. Je suis surarmé. Il y a un crochet, ça c'est cool ça. Je trouve de quoi crocheter quoi. Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire avec un crochet sans crochetage à faire. Enfin, mis à part si l'ennemi que l'on combat est littéralement un ennemi à crocheter. C'est vrai que là je manque un peu de munitions. Ouais, c'est le gameplay. Et un peu le commentary aussi qui compte, non Méo. Parce que le gameplay, voilà, c'est quasiment le même à chaque fois quoi, je veux dire. Tu avances, tu fais absolument ça, c'est-à-dire tu descends l'échelle, ou même que tu descends sans l'échelle, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est l'expérience, surtout. Oh, attendez. J'ai une pipe de bombe. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Non, pardon. Ah, si. Parfait. C'est cool, ce petit côté exploration. Oh, putain, oh. Ah ouais, mais là, c'est Minecraft, là, c'est... On mine des diams. On dit pas ça du tout, mais bon. C'est parfait. Alors, bonjour. Ethan Winters. Oula. Oh putain, j'en ai... Bah oui, mais c'est du Mutamisen, ça. C'est... What the... Non, alors c'est pas du Mutamisen. C'est vraiment du matériel. C'est du petit déchet par-ci par-là. Rien de bien incroyable. Attends, on est dans un endroit littéralement fait de métal et de débris, de débarras, je ne sais quoi d'autre. Je prends le sniper au cas où. Parce que là, ça pue un petit peu le fighting. Mais rien ne me fait peur. Ouais, oula, putain de merde. Oh, what the fuck. Oh putain, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Attends. Clean. Là on fout tous les explosifs parce que merde à la fin. Oh putain. Y'en a là. Oh putain. C'est de la thune, c'est du loot. Ah merde Ah, il y a encore un vie. C'est parti, parfait. Parfait. Montre ton ventre. Parfait. Ah putain le bâtard. Ah putain. Non, pas cul-de-sac, pas cul-de-sac. Ah. Oh non, c'est un cul-de-sac, c'est ma gueule. Non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ah. Ah non, je suis mort. Ah. Ouais. Bon bah je suis mort pour la deuxième fois. Ah non, sérieux? Bah dis donc mon cher ami, t'es sacrément costaud. Merde. Donc attendez. Putain mais Ethan qui survit littéralement à un putain de forage dans le ventre quoi. C'est un petit peu tiré par les cheveux hein, vous en conviendrez. Ah putain, mais tu vas mourir. Ah, mais tu te fous de ma gueule. Merci de m'avoir donné un petit peu. Mais putain, laissez-moi respirer une seconde. Ah, je crois... Putain, mais dis pas que c'est de la fuite, là, qu'il faut faire. Là. Attends, il s'en fout des explosions, il faut briser les bois. C'est bien ce que je me disais. Donc, bah, attends, je vais fuir. Ah putain, mais ils peuvent grimper. Ah putain, je crois que c'est ça, faut fuir. Mais là, je suis pris en fond. Oh, tu fous ma gueule. Ah. Mais putain, non, mais ça c'est nul là, c'est de la merde. Ah, je crois que j'en ai tué un. Ouais, j'en ai tué un. Ah putain. Ah, ma Z.
Donc ouais, ils sont littéralement invincibles, mais ouais, en gros, c'est... Ah, mais je viens de remarquer, mais les filles de Dimitrescu, c'est littéralement une grosse référence au monstre bizarre là, de Resident Evil 4, là. Tu sais, les trucs là qui se régénèrent automatiquement à chaque fois, là, mais qui... ils aiment pas la neige. Putain, mais quel connard. Ils aiment pas la neige, le froid, un truc du genre, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Attends, par contre, j'ai oublié ça. Je vais pas pouvoir grimper si jamais je le casse pas ces petites bidouilles là, quoi. Je pense pas. Ah. Bon, après, il faut quand même faire un petit peu original, quoi. Parfait. Et le dernier petit poing. Heureusement que j'ai du sniper, hein. Et heureusement que j'ai un temps soit peu de aim. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ma foi, c'est stylé. Mais par contre, c'est très joli. Mais par contre, c'est pas très pratique, hein. C'est très joli et c'est pas très pratique, hein, putain. Mec, il doit faire un marathon pour faire quoi que ce soit. Dans cet probable ancien laboratoire Nathalie. Oh là là. Sympa. Bon, par contre, tu glisses, c'est bon, quoi. Tu perds ton pied, quoi. Ah, munitions pour pistolet. Je suis aux anges. Je suis heureux. Je sens mal. Ouais, ça pue la merde, ça, par contre. Ouais, ouais, non, clairement, il va y avoir quelque chose, là. À mon avis, on va revenir dans ce... Ah, attends. Là, vous savez, le gros monstre, là, aux hélices, là, que nous a jeté dans la gueule... Enfin, qui nous a jeté dans... Enfin... Avec Zenberg, quand il était dans le trou, il y avait un gros monstre qui nous poursuivait. Bah, il y aura peut-être une chance que le gros monstre soit là-haut, qu'il nous fasse tomber ici, tu vois, qu'il y a un combat de boss et tout. Et qu'à mon avis, on le fasse tomber là-dedans, quoi. Il y a des chances. Quoique non, c'est un peu con, puisqu'on a cassé les lumières. Oh, et puis merde, on verra. Hein. Donc, il va mourir. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je me disais. Bon, on va pas dire que c'est du spoil, hein. Voilà, on va dire que c'est tellement évident, pardon, hein, voilà. Soldat Jet. J'ai attaché un réacteur dorsal et des stabilisateurs à un soldat pour améliorer sa mobilité. Résultat, capacité de vol limitée. Incapable de parcourir de longues distances, mais peut survoler des terrains accidentés. Soldat Panzer. Ah bah dis donc, Heisenberg. J'ai ajouté un blindage en alliage d'aluminium à un soldat pour protéger son réacteur thoracique et la partie exposée de sa chair. Résultat, invincible contre les armes à feu ordinaires. L'armure a tendance à se détacher en cas de choc. Important, il faut poursuivre le développement. Ah bah voilà, monsieur fait quand même attention à ce qu'il fait. C'est pas un petit amateur, quoi, Heisenberg. Mais il est un petit peu trop prétentieux à mon goût, je trouve. Non, on va voir ce qu'il y a là. Un petit peu de loot, de quoi fabriquer des munitions. Ça sera pas de refus. Le moule boule. Le moule boule. Ah pardon. Le moule boule. Oula. Ah, Ethan, c'est ce qu'il y a à faire. Voilà, bravo Ethan. Le moule boule. Merci le plot armor. Le moule boule. C'est pas passé loin. T'inquiète Ethan, t'as un plot armor surpuissant. Il va apparaître derrière. Il va apparaître derrière la fumée. Hein. Oh non. Ah. On va passer par là. Le boule boule. Allez. C'est vraiment pas pratique, hein, par contre, hein, ce mécanisme. Hein. À part si c'est pour entrer dans quelque chose. Ouais, d'accord. Donc ça va.
Je ne juge pas. Bonjour. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais faisons confiance à Capcom. Pour nous surprendre d'avant. Bientôt, elle commencera sa cérémonie avec ta rose. Si ça se produit, c'en est fini. Pour ta fille et pour tout le village. Alors, la fille, je... Voilà. Mais le village m'en bat les couilles. Mais ne le fais pas. Je l'en empêcherai. J'utiliserai Rose pour tuer Miranda. Pauvre papa. Tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Tu veux Rose? Ah putain, j'étais intelligent. Par contre, faites pas chier le daron. Hein. Putain, on parle de Ethan Winter, merde, putain. Moultlé. Il a littéralement vaincu une putain d'arme biologique, fongique, je sais pas quoi. Donc c'est pas une deuxième arme biologique Eve qui va nous faire chier, quoi. Alors oui, on va peut-être perdre quelques doigts, mais bon... On a l'habitude hein, avec Ethan. Hein. Oh ah ouais, c'est haut. C'est Hoyt. Ah, il y a l'ascenseur qui mène sûrement vers le duc. Bon, ça c'est la clé. Ah, je vois, faut descendre dans le moule. Par contre, faites qu'il y a rien qui nous attaque là. Allez. Oh ! Ah mais il est littéralement dans un ascenseur, d'accord. Je crois que c'est bientôt le boss time. Ouais, il y a des chances. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, il faut descendre. Donc là on moule le truc là. Ah putain, il y a les cheveux qui bougent. Je l'aime bien lui. Putain, putain, il vient de sortir son cigare à la vitesse de la lumière. Ah, ne t'endors pas. Alors attends. N'hésitez pas à acheter un œil. Le boss time. Tam, amas de cristal. Yanite, objet de grande valeur, grand cœur mécanique, pièce mécanique, on garde. Attends, est-ce que je peux acheter le nouveau pistolet là? Parce que certes, il est moins puissant que le pistolet que j'ai actuellement, mais ça sera d'autant plus efficace. Vous allez faire un malheur avec ça. Ah, j'en doute pas. Donc attendez, je vais vendre le nouveau pistolet, enfin le nouveau pistolet actuel. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Ah ouais, mais ouais, d'accord. Donc, fusil à pompe, je l'ai amélioré à fond. Parfait, le sniper. Rechargement, c'est important. Qu'on pourrait le croire. Rechargement, ça pourrait être important. C'est bon. Ah, mais non, mais ah oui, putain, c'est vrai que j'aurais pu économiser pour acheter des modifications. Merde. Des modifications pour mon pistolet. Bon, c'est pas grave. Ouais, on va aller non, c'est pas par là. Attends, c'est par où? Ah oui, non, attends, le moule déjà, c'est... Ah mais non, mais quel con. On peut passer par en haut. Attends, je crois que c'est le deuxième étage, il me... le moule. Attends. On va voir. Attendez, on va mettre le V1 custom là, voilà. Ah, c'est un scorpion. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, un scorpion, le truc. Attendez. À moins que je me sois trompé. Attendez. Vous savez quoi? Bon, c'est pas grave. Ah mais non, mais quel con. Je crois que non, je me... Bref. C'est ça le problème avec moi, c'est que à chaque fois j'ai peur de mal faire les choses. Oh Ethan, tu peux sauter de là hein. T'es déjà tombé d'une tour de plusieurs centaines de mètres, t'es déjà tombé de plusieurs... Ah putain, tu te fous de ma gueule. Ah, ils ont pensé à tout.
Ils ont pensé à tout. Ouais, putain. Ah, les bâtards. Ah, putain, Capcom. Ah, vous me faites chier, Capcom. Attends deux secondes. Alors, je vais me faire un café, mais je vais vous parler de mes craintes actuellement. Parce que, entre guillemets, c'est sombre. Mais, attends. Mais attends, mais le bébé, d'ailleurs, le bébé fœtus, il est où? Enfin, techniquement, est-ce qu'il est définitivement enfermé dans le sous-sol du Bienvenido? Ou alors peut-être que le sous-sol de Bienvenito est relié littéralement à justement le sous-sol du village, quoi. Enfin, quand je dis le sous-sol du village, c'est aussi de Heisenberg et tout, attends. Parce que le souci, c'est que aussi le sous-sol de... Comment il s'appelle l'autre, là, le moche, Moreau, il est aussi relié au sous-sol, à tout le sous-sol du village. Attends, mais si le bébé fœtus, il a réussi à s'en sortir, je suis dans la merde. Bon, j'ai de l'armement, mais voilà, quoi, vous m'avez compris. Vous imaginez? Oh putain. Bah, après, en soi, je suis armé, comme je vous l'ai dit, donc ça va, quoi, je veux dire... Le baby, il va pas... Voilà, quoi, il va pas faire long feu avec moi. Mais, je vais flipper ma race quand je vais tomber sur lui. Mais je ne fais que supposer, hein, le temps que je fasse mon café. Il est sûrement toujours enfermé, j'espère, hein, j'espère. Mais après, oui, il y a des chances, quoi, qu'il soit définitivement enfermé, quoi. Mais, on n'est jamais sûr de rien, hein. On est dans Resident Evil... Je trouve que le potentiel entier du bébé a été utilisé quand même. Hein. Je veux dire, la partie du bébé suffit à elle-même, hein, entièrement à elle-même. Je trouverais que ça serait un petit peu stupide de le faire revenir alors que t'es armé. Enfin voilà quoi. Et putain, le passage du bébé. J'ai regardé justement la partie de Markiplier. Non, c'est pas Markiplier. Si, attends. Ah si, bah si, il a été très surpris. Mais c'est aussi Benzaï, quoi. J'ai vu la réaction de Benzaï. Benzaï, il avait les yeux bien ouverts. Et il trouvait le bébé totalement dégueulasse. Ouais, donc, ouais, j'ai bien aimé la réaction. Mais je pense qu'à mon avis, il y a certaines chaînes YouTube qui ont dû bien profiter de cette séquence-là, justement, pour faire des best-of. Donc je vais en profiter après, quand j'aurai fini Resident Evil 8. De toute façon, là, je vais pas tarder à le finir, je pense, hein. Markiplier, il était pas mort comme toi. Bah non, j'ai pas été tué, d'ailleurs. Ou le mec avec son moteur, là... C'est le mec à la tête chelou. Le mec avec son moteur... tu parles du monstre de Heisenberg, c'est ça, là? Parce que si tu parles de la créature d'Heisenberg, ben j'ai... C'est la menace de ce chapitre quand même. Ah oui! Mais ben pour l'instant ça va. I sip my coffee. With my trench gun. Hello everyone, my name is... Markiplier. Welcome back to the Resident Evil. Sex. Merde, je suis pas allé un peu trop loin là? Ah merde! Triple merde! Quel con! Attends, non, attends. Ah mais oui, mais littéralement, je suis con quoi. Attends, mais. Faut passer par où là? Attends. Pardonnez-moi. Merde! Là, j'avoue que je suis perdu, là, par contre. Par où faut passer? Ah, c'est par là. Il y a le moule qui est là, donc ça va. Tout va bien. Non, pas là. Tout va... J'ai dit tout va bien, merde, à la fin. Zut. Non, c'est pas par là, c'est là-haut. Comme le film. Ah, arrête, calme-toi. Oh.
Ah, attends, je recharge. Mais putain, mais c'est pas un coup par coup d'habitude, le scorpion. C'est quoi ces carabistouilles, Capcom? Oh putain, mais peut-être que je m'attendais pas non plus à de l'accuracy, mais quand même. C'est vrai que c'est pas très réaliste, hein, les armes dans Resident Evil 8, hein, mine de rien. Bonjour. Plus vite, allez. Ah, c'est bon, putain. Là, j'aurais de quoi pour améliorer la clé d'Eisen. Oh putain, c'est bon. Et donc, là, le moule-boule. Voilà. Le moule-boule. Le moule-boule. J'ai le fameux moule-boule. Ouais, faut grimper. Donc là, ça va aller, quoi. Tant qu'il est 1000, il y aura juste 2-3 créateurs de Frank. Eh, putain! Mais non, mais je me suis protégé, là. Merci. Merci. Putain, mais ils sont stylés, quand même, les créatures, hein. Même si apparemment c'est... Enfin, je vais pas dire que c'est du plagiat. Même si apparemment... Par où faut aller, là? Même si apparemment, ils sont pas trop péchés en termes d'inspiration, mais... Ouais, bah, je trouve ça joli, moi. C'est pas compliqué, non. Attends, mais je suis pas en train de faire n'importe quoi. Attends deux secondes. Ah, mais attends, mais... Ah, c'était le fameux mec que j'avais lu dans les notes. Ah. Que t'avais lu dans les notes. Ah ouais? Merde. Donc attends, interrupteur. Attends. Ça m'aide pas du tout. Putain, mais quand même, c'est vachement bon. Alors attendez. Bonjour! Donc attends. Hop là. J'ai dit hop là. Je suis perdu un petit peu, je dois vous avouer. Ah, attends, j'ai pas vu ça par contre. Ah, munition le sniper, je vais pas dire non. Ah! Mais casse-toi du con! C'est vous, s'il vous plaît. Ah! Ah putain, merde. Mais poussez-vous. Merci. Mais dis donc, Titan. On fout un gros punch. On fout un gros punch au porc, là. Oh, le porc. Putain, je l'ai rejeté comme un malpropre. Ah, attendez. Ah, attendez, il y a quoi? La ferraille. Four shotgun, hein, évidemment. Faut qu'on nourrisse mon petit trench, hein. Donc attendez. Genre un acide, mais tu peux faire tomber son armure avec des chocs. Ah. Ouais, bah, j'ai pas vraiment d'explosif là parce que j'ai été gaspillé sur les monstres là. Donc là, je vais essayer juste de trouver mon chemin. Parce que, bah, je sais même pas pourquoi je me perds d'ailleurs, c'est. Mais putain, j'ai oublié ça. Putain, se perdre à ce moment là, quoi, la honte. Ah, y'a une échelle. Y'a pas d'échelle. Attends. Là. Ah merde. Ah. Putain, encore un détour. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Avec un petit peu de détermination et de persévérance, on y arrive. Donc je pense qu'on va rajouter à mon avis 3-4 heures hein, dans Resident Evil 8. Si jamais on se perd. Parti, Etienne. Ah oui, d'accord. Ils se sont tous barrés, quoi. Donc, attendez, est-ce que c'est pas... Ouais, je crois que c'est par là.
Parce que je suis pas allé par là d'ailleurs. Ah! C'est la key de Heisenberg? Oula, attends, je suis dans la merde moi! Je suis pas du tout protégé, enfin. Quoi? Oula, y'a du monde. Oh! Double kill! Oh! Merde! Oh non, putain, j'aurais pu avoir un double kill. Oh, c'est pas grave. Ah merde. Oh bah ils sont morts. Hein. Oh, ce petit double kill, Nopscope et tout ce que tu veux. Ah, là je régale. Là, je régale. Miam, miam. Oh, la pièce mécanique, arbre. De quel arbre tu parles? Là, attends. Parfait. Clé mécanique. Ah bah c'est même pas. Ah, si c'est une clé. Ouais c'est d'accord, c'est. Barre de fer, ça va me faire partie de quelque chose. Ah d'accord. Ah bah. Ah j'ai le marteau de Heisenberg. Donc voilà, on est vraiment très proche du combat contre Heisenberg. Littéralement. On est à deux pas là. Il y en a qui mangent du chocolat alors que. Une putain de créature. Donc attends, choc. Ah merde, non, pardon monsieur. Je m'ai trompé. Ah ouais, t'as raison. Je crois que c'est bon, ouais. Le non! Ah, finalement, c'est qui le plus con dans cette histoire? Bah, de quoi le mec? Ah, oui, bah oui, le mec! Là, t'as un petit peu de latence, j'ai l'impression. Mais là, ça va aller, quoi, ça va pas être galère de le tuer. Ce flemmard! Ce gros flemmard! Eh, tu peux descendre, hein! Rien ne t'empêche de vouloir m'affronter ici, hein! Je suis dans mon élément, quoi. Voilà, effectivement, que ça va être un peu plus facile de le vaincre, quoi, maintenant. Donc. Ah, mais quel con, j'aurais. Il y a le pont! Le pont, putain! Le pont que je viens de faire aussi! Ah! Putain, mais je vous autorise à m'appeler con, quoi. Parce que c'est littéralement. Oh, attends ce que je suis. Ouvre. Merci. Dommage par contre qu'on ait plus les pilules là justement pour mieux voir le loot qu'il y a aux alentours. Ça aurait été très pratique. Non, pas par ici. Voilà. Par là. Donc il va y avoir 2-3 créatures de flanker. Oh, attends. Merci pour la poudre. Réfléchissons, soyons malins. J'ai qu'une balle donc on va éviter d'utiliser ça. Mais il est con. Il est con. Mais à mon avis ouais, je vais me retrouver face à face avec l'autre Gonio là. C'est sûr à 100%. Oh, c'est à savoir où est-ce qu'il est. Ah, bah voilà. C'est bon. Ah, le marchand me manque, c'est pour vous dire à quel point. Ah putain, attends, il y a encore ça. Quoi? Hein? Encore? Mais tu te foutrais pas un peu de moi, le jeu, là? Il est giga impressionnant. Ah oui, pardon, excusez-moi, faut que je fuis. Et viens, viens là. Viens. Ah! Yamelo, que tu sais? Ou je sais pas quoi. C'est bon.
Je suis tranquille. J'ai dit je suis tranquille. Putain. Alors, Resident Evil 8, mine de rien, oui, c'est pas le jeu le plus flippant. Enfin, je parle du 8, hein. Mais c'est le plus stressant, je trouve. C'est... C'est vraiment un jeu stressant, je trouve. Ah. C'est une bonne chose, hein, heureusement. Avoir faim. Attendez. C'est être en vie. Donc, attendez, je crois que c'est... Attends, c'est ça le V61 custom, c'est ça, attendez. Ouais, V61 custom, on va améliorer la crosse. Là, on se rapproche du... on se rapproche d'une AK-47, quoi. Oh, augmente ta capacité, mais je pense pas en avoir, vraiment en avoir besoin. Ah, vous avez ça, si. Ça ouais, ouais. Parfait. Je pense qu'à mon avis, on va en avoir besoin. Ah, putain, chier. Double chier. Tulip chier. Cadence de tir, pas vraiment besoin. Capacité, non plus, ça va. Oh, rechargement. Voilà, là on parle. On se fait plaisir avec le trench gun. Bonne journée. Merci. Allez. Par contre, j'ai... Ah, putain, faut que j'achète des munitions. Ah, bah attends. J'aime tellement son design. Qu'on vienne plus jamais se moquer des gros. Hein. Les gros, ils sont super cool. Bah quoi que non, lui, il est au-delà du gros, quoi. Même au-delà de l'obèse, quoi. Au-delà de l'obésité morbide. Mais bon, il semble beaucoup plus... comment dire? Oui, je sais. Il semble avoir plus de vie que nous, quoi. J'ai suffisamment de munitions. Je vous... Oh bah c'est bon. Faites de faire bonne route. C'est bon, enfin... Entre guillemets, bien évidemment. La clé d'Eisenberg. A l'air d'une machine de couler. Let's go. Ouais. Je prie juste pour qu'on trouve un petit peu de loot par-ci, par-là. Parce que vraiment... Merci. Mais trêve de bavardage. Il est temps d'en finir. Quoi? Tu peux l'entendre, quoi. Pas vrai? Ah, il m'attend, d'accord. Qui t'attend? Ah bah il attend. D'abord je loot, d'accord? Non mais oh. C'est quoi ces incivilités? Enfin, bon, c'est des machines certes, mais bon, on m'a compris. Ah, attends. Ah, propos pipe. Oula. Propos pipe. Prototype Sturm. On a dit ça doit être une arme. Enfin, ça doit faire référence sûrement à une arme. À une expérience nazi-istocrate que pas très connue. Alors, attendez. C'est parti. J'ai utilisé un turbopropulseur bon marché, mais la puissance du réacteur est peut-être un peu trop élevée. Il est impossible de le contrôler, tout ce qu'il fait c'est charger. Il a beau être complètement invincible devant. Cet imbécile a réussi à se couper les bras avec l'hélice, sans parler des problèmes de surchauffe quand il fonctionne trop longtemps. Un échec total. Ah c'est ça. On va te croire Heisenberg, Instable, ne veut pas dire nul ou inefficace ou je sais pas quoi. Voilà. Ah, il va surgir devant moi, c'est ça? Non? Donc il va sur... Non? Oh, il surgit. Ah, bah voilà. Connerie, laisse-moi tranquille. Ah, d'accord. Ah, d'accord, c'est littéralement l'arène. D'accord. Ah, attends, ils sont pour pistolet. Aïe. Il a posé problème, lui, hein. Je le sens. Mais je suis pas venu à poil. Oula. Attends, mais il suffit de le tintin. Olé, c'est ça?
Ah, il est où, il est où? Attends, vas-y, vas-y, viens. Viens là, viens là. Oui, c'est ça. Charge, charge. Boum. J'affronte littéralement un moteur V8, quoi. Hein. Donc c'est ça, Resident Evil. Resident Evil, le jeu où tu affrontes littéralement un V8, quoi. Il va pas me toucher, il va pas me toucher, il va pas me toucher. Mais bon. Oh là, oula, doucement, 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 doucement. What the fuck? Ah oui, d'accord. Merde, putain, c'est nul. Oh, putain, mais calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Attends, c'est une attaque laser, ça? Ah! Ah! Oh là 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 là! Instable ne veut pas dire efficace. Inefficace, pardon. Putain, mais... Oh là 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 là. Oh là, doucement, doucement. Putain, heureusement que j'ai beaucoup de munitions quand même, hein. Oh là, oula, oula, doucement, doucement, doucement. Allez, viens. Ponche-moi dessus. Allez, allez, pam, pam. Oula, à mon avis, là, il a chargé avec son attaque de ouf, c'est ça? Ça fait mal. Merci. Franchement, que j'ai de la santé, tu me diras. Doucement, calme-toi, calme-toi. Ah! J'ai dit calme-toi! Merde, il est où? Putain, j'ai eu de la chance. Heureusement qu'il y avait le mur. Allez, montre-toi. Montre-toi. Vas-y, c'est ça. C'est tout ce que tu veux. Parfait, voilà, t'es nul, tu vois rien. Là, doucement, doucement. J'ai fait ça pour provoquer. Juste là. Là, c'est pour te motiver. C'est pour te motiver. Ouh là là. Faut pas te contrarier, toi. Putain, mais il déconne tellement pas. Ah! Mais il va arrêter avec cette attaque, lui, de seconde. Oh, il est chiant. Vous savez quoi, on va utiliser le sniper, maintenant. Oula, oula, oula. Ah, merde, putain, mais tu te fous de ma gueule. Non, c'est pas cool, ça. Oh putain, tu... Putain, mais comment je vais réussir? Il est passé où? Merde. Bah, il fait quoi, là? Ah, je crois qu'il a défoncé le mur. Merde. Allez. Allez. Allez! Allez! Meurs, meurs, meurs! Meurs pour l'amour des dieux! Merde, putain! Ah, je crois avoir une bonne strat. J'ai dit, je crois, hein. J'ai pas dit que j'en avais une! Merde, oh, putain, j'ai plus de munitions! C'est chier. Ah! Putain! Je crois que je vais avoir besoin. Ouais, une mine. Une mine.
Allez, viens là. Il va les exploser. Ah non, c'est bon. Viens, 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 je suis pas du tout bizarre. Oula. C'est bon? C'est pas bon? Il revient c'est pas. Bon? Oh. T'inquiète pas qu'il va pas revenir. J'ai donc fini la partie avec Heisenberg, si je comprends bien. Et je vais pas m'en plaindre. Putain. Oh ouais, non, il était super cool le boss. Mais on ne fait pas chier Ethan Winters. Surtout quand tu oses vouloir t'attaquer à sa fille. L'utiliser du moins. Bon, pareil au même. Alors t'es où Heisenberg? Que je te fasse la peau. Enfin, même si on l'a vu, ça va être un peu plus compliqué que ça. Mais bon, ouais, je suis Ethan, hein. Je suis pas un personnage secondaire. Alors, qu'est-ce que je faut que je fasse? Petit cigare. Oh mmh. Ça va faire plaisir à au duc, ça. Miranda est ignoble. Sa pourberie ne connaît pas de limite. Pour elle, nous ne sommes qu'une série d'expériences ratées avec le cadou. J'ai simplement eu de la chance de montrer plus d'affinité avec ce truc que les autres villageois. Elle ose encore dire que je suis son fils. Tu parles, jamais je lui pardonnerai ce qu'elle m'a fait. Cette bonne fan a toujours une canne en moins. Elle est incapable de faire une différence entre cobaye et famille. Miranda n'a pas seulement transformé mon corps, elle m'a enlevé ma dignité. Si je ne la tue pas, alors je serai jamais maître de ma propre vie. Ceci dit, elle est peut-être folle, mais elle est aussi très puissante. Elle est capable de prendre n'importe quelle apparence grâce au métamycène. J'en étais putain de sûr. C'est une expérience avec le métamycène, encore, comme Evelyn, quoi. La clé, c'est cette gamine, Rose. Si je pouvais m'en parler de son pouvoir, alors peut-être que... Mais j'y pense, son père Otan a un corps plutôt intéressant, lui aussi. Peut-être que je pourrais l'aider à le m'aider. Désolé. Je travaille solo. Ah oh là là, je sens mal. En tout cas, c'est... Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Attends, j'ai pas du loup. Ah, je peux rien... Je peux rien farmer, putain. Enfin, je peux rien fabriquer, quoi. Hein? Mais y'a rien. Oh. C'est point très fun. Ah, y'a... Avant de déclencher la probable cinématique... Pièce des achats, ça fait plaisir. Je peux rien fabriquer, super. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, je crois qu'il va falloir qu'on fasse attention, c'est ça. C'est parti. Allez, allez. On fait travailler nos game bêtes. Allez, Ethan Winters. Parfait. Oh, encore un levier. Bon, au moins, il n'y aura pas Lady Dimitrescu pour nous la couper, quoi. La main, je parle. Évidemment. Bonjour. Je suis Ethan Winters. Et je cherche ma fille, Rose. Vous trouver? Heisenberg, where are you? Montre-toi, mon petit chou. Oula, il y a du foin. On est revenu à la surface, du coup. C'est cool, ça. Mais il n'y a pas de loot, là, pour l'instant. C'est chiant. Ah, à mon avis, il n'y a pas de cinématique, là. Non, hein, non, clairement pas. Oula. What in the world? Oh putain! Non, attends! Pas mal, Ethan. Tu es tenace. Mais j'ai une rébellion à mener. Alors ôte-toi de mon chemin. Oula. Mais Ethan, là, tu gaspilles les munitions que j'ai récupérées, hein. Quoi? Je te revois. Jamais! Ethan! T'en as pas marre non seulement de perdre constamment ta main et tes doigts, mais en plus de tomber constamment! Oh putain, me dis pas qu'il faut te remonter! Oh là là!
Et par contre, il est devenu giga badass. Encore. Oh le pauvre Ethan quoi. Oh le pauvre. Attendez deux secondes. Parce que j'ai vraiment acquis une méfiance vis-à-vis de mon stream, enfin du Twitch. C'est bon, tout va bien. Je suis vraiment méfiant vis-à-vis de ça, quoi, de mon stream. J'ai vraiment peur qu'il bug ou quoi que ce soit, quoi. C'est chiant d'être parano par rapport à ça, quoi. Je vais être tranquille, moi, avec ma webcam et streamer des jeux tranquilles sans arrière-pensée ou quoi que ce soit. Donne-moi ça. Quoi ? Ah ! Putain ! Ah, il m'a fait peur. Laisse tomber, Ethan. Tu nous gênes. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? T'as tué ma femme, sale ordure. Tu crois que je tuerais Mia ? C'était pas elle. Oh putain ! C'est pas un méchant ! C'était Miranda. Quoi ? Hein ? C'est une arme biologique. Elle a changé son apparence et elle s'est fait passer pour Mia. Apparemment, elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de moi ? Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite ? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler ! Cette mission est déjà assez dure sans avoir de civils dans les pattes. Alors, excuse-moi de te le dire, hein, mon cher... comment il s'appelle déjà ? Chris Redfield. Alors, tu pourrais peut-être me considérer comme un simple civil, si jamais, justement, je n'avais pas d'expérience avec le Mutamycène, avec les Jake, les Baker, avec les Molded et les Lickers, avec les armes biologiques, avec les armes tout court, avec les chutes, les blessures, les soucis psychologiques et tout, avec le putain de village, avec Dimitrescu, avec Monroe, ou Monroe, je sais pas quoi, avec Benvito, et je ne sais quel autre monstre. Donc, tu pourrais peut-être me considérer un peu plus qu'un simple citoyen. Merci de vous. Qu'est-ce qui se passe, putain ? D'accord, Ethan. Fais-moi un câlin. Fais-moi un câlin, il écrit. T'es trop adorable. Passe-moi cette clé. Alors, un peu de lore, de révélation. Chris ? En résumé, Miranda est complètement tarée. Les villages, blague. Tous les monstres qui y habitent, c'est l'œuvre de sa vie. Une sorte d'accord. De grande expérience sur la moisissure. Ok. Moisissure ? Comme en Louisiane ? Putain de merde ! Et tout ce temps, moi, je pensais pouvoir sauver ma famille. Je peux pas sortir d'ici. Je peux rien faire. Non, pas forcément. Regarde ça. Mmh. Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant. Miranda. Regarde la suite. Là, faudrait pas qu'on tombe sur du porn, quoi. Du calme, mes hommes surveillent. Qu'est-ce que c'est que ça, putain ? Mais là, ma fille. Je crois que tu saisis pas. À quoi qu'est-ce qu'il y a ? Tout seul, c'est du porn. Ah merde, putain, je me suis trompé de galerie. Oh, fais chier, merde. Je vais rester ici pour placer des explosifs. Prends cet ascenseur, je te retrouve en haut. Je te promets. Il n'a pas un petit peu bousillé le. Ensemble. Ascenseur ? On va le faire. Et quand je trouverai Miranda, je lui ferai la peau. Il est trop adorable! Oh putain! Me faites pas fondre mon cœur comme ça! Oh, il est trop mimi! Putain, mais j'ai juste envie de partager une bière avec lui, de jouer à FIFA ou à Warzone, quoi! Il est trop mimi! Ou un barbecue au passage. Très bien. Oh. Alors prends ça. Et rends-moi service. Moi? Oh. Te fais pas trop. Putain, mais en 3 ans, par contre, il est passé de skinny à chevilles, quoi! Oh, moi, je suis trop mimi. Moi. Alors, un peu de lore. Ah, escouade Houndwolf, j'ai fait le tour de l'usine.
Malheureusement, je n'ai trouvé aucune preuve d'une quelconque lien avec l'organisation. Néanmoins, j'ai pu mettre la main sur un certain nombre de documents relevant quelques-unes des expériences de Miranda. Ceci confirme nos hypothèses. Apparemment, elle est infectée avec le mutamycène, ce qui lui a conféré plusieurs habiletés, notamment le mimétisme. Elle peut contrôler ses cellules et se transformer en ce qu'elle veut. Miranda a pris l'apparence de Mia pour s'introduire chez les Winters. Il est clair que son but était de kidnapper Rose. Elle s'est peut-être dit qu'en ressemblant à sa mère, elle pourrait plus facilement prendre le contrôle de la petite. Quand on a lancé l'assaut, elle a fait semblant d'être morte, en attendant une opportunité pour agir à nouveau. Ah putain, d'accord, je vois. Elle a ensuite redonné vie à son corps dans le fourgon. Ah ! Et a tué tout le monde à bord avant de partir avec Rose. Les choses ne se sont pas passées exactement comme elle avait prévu, mais au final, elle est tout de même parvenue à ses fins. Mais nous l'arrêterons. Je vais faire exploser cette usine avant de vous rejoindre au point de rendez-vous. Heisenberg va sûrement se manifester, mais je pense avoir trouvé de quoi l'affronter. C'est une sorte de véhicule de combat fait d'un composite métal polymère insensible aux forces magnétiques. Le moment est venu de renverser la vapeur. Alpha. Oh. On va se faire plaisir. Mais avant, est-ce qu'il n'y a pas un truc à looter par ici? Il n'y a pas un petit carton? Faut pas récupérer de la ferraille pour faire quelques munitions? Parce que là, je peux rien faire. Je peux rien faire avec mon petit trench gun. J'ai que le sniper. Et encore. J'ai même plus de munitions pour le revolver en plus. Oh, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je vais faire? Bien. Attends, mais. Qu'est-ce que je peux faire là? Il n'y a pas un souci là? Mettez-moi en haut là. Ou là? Ah, je suis en bas. Donc, what the fuck? Y'a pas un souci là? Chris, t'aurais pas par hasard totalement détruit l'ascenseur? Ah putain, j'ai oublié de lutter là. Attends, mais je fais quoi du coup là? Je ne comprends pas. Merde. B4, B3, je sais pas. B1. B1. Jeu. Tu vas bien, jeu? Ouais, tu peux me le dire, jeu, hein, si tu vas pas bien. Attends, 2 secondes. Donc là, c'est point de sauvegarde, Heisenberg. Fossé de terrain. Chris, t'es parti où aussi? Attendez 2 secondes. Bah, attendez, je crois que j'ai quitté la partie pour l'instant et revenir après parce que peut-être qu'il y a eu un souci. Je peux plus reculer. Ah oui, bah, sans blague. C'est bon, je peux avancer. The fuck? What? What? Qu'est-ce qui se passe? Merde. Mais attends, mais je suis bloqué. Je suis littéralement bloqué ou quoi là? Attends 2 secondes. Ah bah je suis arrivé par là. Mais merde, je suis bloqué. Le jeu m'a fucked up là? Ou alors c'est moi qui sais pas faire les choses là? Ah mais quel con, d'accord. Oh, si j'écoute pas ce que dit Chris. Composite métal polymère. On va combattre le feu par le feu. Oh, oh putain, c'est... Ah bah là on est clairement dans du Mad Max là. Oh. Ah. Tire au canon, prépare le canon, se protéger. Mitrailleuse. Ok. Oh, oh là là. Putain. Ah la petite OST. Oh putain, ça va partir en mode action là. Oh, je pense que là ça va faire bien.
Oh, oh là là. Attendez. On se prépare quand même au cas où. Rechargement. Attendez, faut quand même prendre un petit peu la longueur d'avance vis-à-vis de Heisenberg. C'est bon. Allez, montre-toi, mon grand. J'en étais sûr. Oh putain. Ah putain, d'accord. Voilà, faut que je vise ses points faibles, c'est ça. Oh, n'importe quoi. J'imagine que c'est la force de la constatation. C'est parfait. Tu t'attends à quoi, mec? Je vais te massacrer. Oh. Tu t'éclates. Oh, parfait. Dommage que je sois le seul spectateur. Inscris-toi devant mon corps. Ouais, je vois ça, c'est un peu classique, mais bon, c'est déjà. C'est ce que j'appelle être un bon fils. Parfait. Voilà. Putain, mais c'est une arme de destruction massive, je trouve. Parfait. Oui, si tu veux. Parfait. Oh, oula. Il est super stylé en revanche. Ah, c'est con. Oh, vas-y, continue. Tu vas bien, Heisenberg? Oula, qu'est-ce qui va? Moi j'ai des munitions, c'est cool. Quoi le premier? La dernière ligne droite. Alors qu'en penses-tu? C'est sans espoir. Pas vrai? Laisse tomber. C'est toi qui as un peu d'espoir, mec. Moi ça va, tout va bien. Ce n'est pas ta vie qui est bien. C'est éteint. Oh là là. Et sa mort sanglante. Allez, viens. Merde. Ah! Au secours! Ah là, j'ai eu la chance. Impressionné? Non, j'ai déjà vu mieux. Allez, viens! Genre littéralement. Ouf! Parfait! Attends, c'est tout? Oh, Heisenberg, quand même! Oula. Attendez deux secondes, est-ce que j'ai des... Ouais. Adieu, Ethan Winters. Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'espère au moins que j'ai pas perdu mes bras, quoi. Wow. Je sais pas ce que c'est comme haut, mais bon, hein, c'est pas trop. Wow! Oh, c'est putain de stylé! Prends ça dans ta gueule! Non! Ce n'est pas encore fini pour moi! Je dois la tuer! T'aurais pu y aller plus rapidement, mon grand, hein?
T'aurais pu éviter aussi de t'attaquer à la fine paire aussi au passage. Je dis ça, je dis rien. Hein. Cerveau d'Heisenberg. Il n'y avait pas grand chose. Ah putain. Ça reste quand même tendu comme un fil de string. Nathan, c'était quoi ces explosions? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué Heisenberg. Oh rien. Maintenant, je vais trouver une barre et récupérer Rose. N'y va pas sans moi. C'est trop dangereux. Attends-moi, d'accord? Ethan, réponds. Il répond du con. Bien. What the fuck? Notre fille, elle compte tellement, n'est-ce pas? Elle est... Ah mais attends, mais c'était Miranda. Attends, comment ça s'appelle? L'hallucination qu'on avait vue en allant chez la marionnette là, c'était elle, c'était Miranda. Tout pour moi. Attends. Putain. Pour moi. Attends aussi. Quoi? Attends. Sans ah mais non, mais c'est blague. Non. Tu n'as plus de pire. Non, c'était la marionnette, parce que la marionnette, il me semble qu'elle a aussi un pouvoir de réalité, si je puis dire, parce que quand on l'a tuée, justement, la maison est devenue normale entre guillemets, ce qui fait que, à mon avis, la marionnette, elle doit avoir un petit peu les mêmes pouvoirs que Miranda. J'en sais rien, mais je vais sauver Rose. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. You know nothing, John Snow. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Pauvre état. Qui es-tu? Où est Rose? Oh putain. Miranda. Ça suffit. Te souviens-tu d'Evelyn et de son pouvoir sur la moisissure? Ouais. Rose est son successeur. Non. Oh merde. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyn. Elle deviendra capable de... Derrière toi, Ethan. Il me la faut à tout prix. Derrière toi. Va faire foutre, pauvre taré. Voilà. Oh non, des corbeaux. Calme-toi. Rose sera sauvée. Entre guillemets. Le Mécanicet nous garde tous en mémoire. Cependant... Elle renaîtra comme ma propre fille. Faut quand même se rendre compte d'un truc. Après ce que t'as vécu en Louisiane et ce que t'as vécu dans le village, comment tu peux te remettre de ce ça? Comment tu peux te remettre de ce... Comment tu peux te remettre de ce qui se passe, quoi? Merde! T'es plus sûr de rien, en fait, de la moindre réalité ou quoi que ce c'est soit. Ma fille, c'est pas la tienne. C'est horrible. Montre-toi. Pourquoi Rose est-elle si spéciale? Tu peux plus faire... à cause de ses parents. Oh, il est vrai que ah, merde. Tu es un cas à part. Mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Putain, mais le pauvre Ethan, quoi. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Et pourtant, il est déterminé. Et ça, c'est incroyable. Espèce de lâche. Allez, amène-toi. What the fuck? Ne t'inquiète pas, Ethan. Ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Mégamycète. Non, Métamycète. Ah! Je garderai non, attends, quoi un échantillon de ton sang pour plus tard. Non! À l'aube prochaine, quoi? La cérémonie sera achevée et je deviendrai alors sa vraie mère, liée pour l'éternité dans le sang! Non! 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 Non, non, non! Non, il peut. Non, non, il peut. Oh putain. J'ai attendu si longtemps. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers. Non, Rose, il peut pas être mort! Je vais enfin non. pouvoir retrouver mon enfant. Non! 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 Ouais, on l'a vu sur la couverture de merde. Mais merde, non! Il peut pas mourir. Non! Non! Donc du coup, on va incarner... Oh, capitaine, putain, il est mort. Je vous confirme qu'Ethan Winters est bien mort. Je n'ai pas pu récupérer le corps, mais j'ai des preuves, tout est enregistré. Partageons nos écrans, que je t'explique la situation. Avec mon équipe, on a été imprudents. Hier, on a lancé l'assaut sur Miranda. C'est bien ce que je vois. Elle a survécu. Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un... Comme Miranda aurait fait chier, putain, le pauvre. J'ai décidé qu'on l'emmène aussi, en plus de Rose.
mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué. Quand je suis arrivé sur les lieux, Ethan et Rose n'étaient plus là. La dernière fois que j'ai pu contacter Ethan, j'ai entendu Miranda. Elle l'a tué. Et je jure qu'elle va payer pour ça. Putain, pas Ethan. Bordel, ça s'arrêtera quand? Quoi donc? La mission? Tout ça. 3 ans à essayer de mettre fin à cette merde. 3 ans de trop. On l'aura, capitaine. L'escouade est prête. Putain, fais chier. Je dis pas ça qu'on l'a fait. Je dis pas qu'on a tout fait ça. Je dis pas qu'on l'a fait tout ça pour rien. Alors, non, non, mais. Putain, Ethan, quoi, le pauvre. Ils ont pas il a perdu de temps. Tant galéré pour ça, quoi. Il a non, tant chié pour ça. On fait ce qu'on a dit. On élimine Miranda et on sauve Rose. C'est la mission. C'est un super bon personnage, l'échec, je trouve, en plus. On va enfin pouvoir s'amuser, comme au bon vieux temps. On y va. Compris. Ouh, par contre, c'est qui ces personnes-là? Je veux savoir ce que le BSA a fou ici. Vois ce que tu peux trouver. Mécanique, je connais pas. Compris, je m'en occupe. C'est parti. Ça fait un bail là. Qu'on s'était pas battu ensemble, capitaine. Oh, quand, la dernière ligne droite, grenade. À force de faire de la reconnaissance, j'ai perdu la forme. Ouais, mais grâce à ça, on sait ce que Miranda mijote. N'empêche, j'en reviens toujours pas qu'elle ait pris l'apparence de Mia. Et le fait qu'elle ait encaissé 5 tirs dans la tête, on en parle? Flippant. Putain. C'est parti, mon kick. Mais ça fait chier pour Ethan, hein, je le répète, mais ça... Ouh, ça fait chier pour Ethan. Ah, mais ça, c'est pas le château de Dimitrescu. Alpha, regardez ça. Le BSA... Ils vont trop loin. Eh, dégage, là. Comment comptez-vous atteindre l'objectif? Ah bah, ils l'ont juste poussé l'avion là, il faut le se truc. Débarrasser là. De ce truc. Je vous couvre, capitaine. Au travail. Merci. Faites tous attention. Donc aux là, biologiques. Compris. On va se faire un petit massacre. Contact on va venger Ethan. Avec un groupe d'armes biologiques. Ils sont plus notre prévu. Attention. Parfait. Par contre, on peut pas looter, hein. Donc, un peu chiant. Merde, attends, je recharge. Parfait. Et après, on a l'habitude hein, des massacres hein, quand avec le DLC de le DLC I'm Not a Hero. Chris là, il en a vaincu un hein, des Moldead et tout. Hein. Ah merde. Sauf que malheureusement, il est contrôlé par un jeune adulte de 24 ans bientôt là qui est un petit peu nul. Tant qu'on n'a pas des milliards de munitions. Mais on va le venger, notre Ethan. Bien reçu. C'est parti, mon kiki. On n'a pas un fusil à pompe. On a un couteau. Attends, on peut pas le mettre en raccourci? Ah. Ouais, non. Mais on a beaucoup de missions. On peut pas confectionner. Bah, après, je pense que dans le New Game Plus, on peut garder le trésor, je pense. Donc ça va. Appareil du BSA. Ethan, il est revenu d'entre les morts dans une nouvelle réalité. Quoi. Pas de risque inutile. Oh. Là. Est-ce qu'on découvrira une nouvelle parcelle du village ou alors c'est le même village? Ah oui, effectivement c'est le même village. Tout ça. On appelle ça du Mutamycène. Voilà, merde, Mutamycène, pardon. On y va. Ok, let's go. Et imaginez qu'on se retrouve face au Moldead. Oh putain. Oh putain! Comme dans le DLC là! Oh 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 le pauvre! Ah ouais, mais Chris il est vénère! Hein.
Putain, mais Keaton, c'est lance-grenade, grenade, pipe bomb et tout, mais les trucs, ils sont quand même vachement costauds, quoi. Alors que là, putain, un chargeur ennemi, c'est bon, quoi. J'en ai pour une minute. Compris. Ici Toundra, j'ai laissé du matériel dans l'une des maisons, capitaine. Servez-vous. Mais, oh putain, je la reconnais, cette baraque. C'est là où j'ai eu le putain de jump square, là. Ah, mais attends, c'est pas loupé. Oh, c'est stylé, c'est stylé. Mais bon, y'a rien, quoi. Ah, ça aurait été cool un petit peu de loot. Vous vous en souvenez, hein? Allez, c'est parti. Ah, mais attends. De toute façon, tu t'es fait en la... Ah putain! J'ai pas eu peur. Surpris. Parfait. Allez, restez chez vous, les pecnos. Laissez les vrais citoyens s'occuper de votre village. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, je sais me protéger, hein. Y'a pas que Ethan. Là, techniquement, on est dans le mode mercenaire, hein. On est dans le mode mercenaire de Resident Evil, là. Là, on fait que du massacre, c'est juste ça qui... Là. Oh! Ah putain, mais l'endu là, vise un peu mieux. Aïe aïe aïe. Ah putain. Ouh. Ah ouais, ça déconne pas. Ah oui, mais... Donc, vous allez me dire que Ethan, qui a reçu quand même un entraînement militaire poussé de la part de Chris, du BSSA ou je sais pas quoi mes couilles là, il est pas capable de faire ce que notre cher ami Chris fait. C'est-à-dire quand il se fait grappe, Ethan il fait un gros punch dans la gueule de l'ennemi au lieu de simplement le pousser en mode « Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, j'ai rien fait. Vous êtes des méchants. Je mérite pas de me faire agresser comme ça. » Coupé. Parfait. Là par contre, c'est super joli. Le village, c'est clairement un super endroit. Oh, allez, dégagez les licans, vous êtes des ennemis de base. Oh, 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 oh. Attendez. Allez, parfait. Allez. Oh putain, le pauvre. Ah, excusez-moi, hein, c'est vrai que je viens du. J'ai été bien équipé, quoi. Et putain, mais Chris, d'ailleurs, pourquoi t'as pas passé une petite mallette comme ça pour Ethan, pour qu'il soit bien préparé au cas où il se fasse agresser ou quoi que ce soit, hein? Une mallette, je sais pas, de premier soin avec quelques munitions, une bonne arme, tout ça. Tu vois, comme dans R7, justement, quand il s'est fait agresser par Evelyn. Et pas moi. C'est un petit peu pas... Oula, 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 oula. Oh! Ah, merde, pardon, je l'avais pas vu. Aïe! Attendez deux secondes. Petit repli stratégique. C'est bon. Parfait. C'est chaud. Mais c'est ça qui est bon, putain. Attends, je recharge. Parfait. Bah, je pense que le fusil d'assaut, c'est surtout le fusil d'assaut qui est important, quoi, je pense. Parce que vu les munitions qu'on a, c'est bon, on peut se permettre quand même de faire... Dégage. Je suis dans la cible. Oh la vache, c'est énorme. Lobo,
Je t'envoie les coordonnées. Ok, bien reçu, chef. Oh! Allez. Parfait. Oh là là. Je recharge. Recharge. Juste une minute. Attends. Un groupe se dirige vers vous. Vous croyez que c'est ça qui va tuer Evelyn? Enfin Miranda? Pareil, c'est pareil au même. Voilà, parfait. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain. Ok capitaine, c'est bon. Quand vous voulez. Ah bah attendez une seconde. Non, putain, ils peuvent grimper les murs, c'est vrai. Enfin les toits, enfin, on va compléter. La possession se développe rapidement. Quelque chose doit la stimuler. Oui, la stimulation c'est Miranda. Allez. Déjà... biologique. Vous avez raison capitaine, ils sont là pour le méga mission aussi. Allez, 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 allez. Parfait. Oh. Je crois que ça va pas tarder à s'écrouler. Attendez un peu. Je recharge. Et si vous croyez que c'est ça qui va faire arrêter l'autre, non? Oh là là. Oh putain de merde. Merde. Okay, dégage. Où est-ce que je dois tirer? Attends deux secondes. Ah, au moins j'ai... Tout le monde va bien? Oui, tout va bien. Bizarrement. Ça devient lourd, là. Ah bah deux secondes. Putain, ces saloperies utilisent des armes. Ah. Je suis sûr qu'ils se disent la bouche pour toi. Ah, non, mais fais chier. Laissez-moi tranquille. Oui, c'est l'homme qui a repoussé un boulder avec ses mains. Oui, c'est vrai. Est-ce que le marqueur de cible fonctionne? Oui, bah deux secondes. Ah, il y avait un explosif. Allez, allez, côté allez. Je suis pas loin, je me charge d'eux. Prenez ça. Bien, le méga missile doit être là-dessous. C'est parti. Mais c'est vrai que ouais, Chris. Bah après non, c'est pas le même Chris, j'ai l'impression que RE5 pardon, enfin que les anciens Resident Evil quoi. Je suis en route. Je pense que c'est un Chris remaster quoi. Mais bon, je pense qu'il est quand même capable de défoncer un boulder, tu vois, de repousser un boulder à main nue quoi. Ça reste quand même la même chose, ça reste Chris. Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker et il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici. Ok, cool. Et voilà, c'est inutilisable, c'est sûr. Est-ce que... Bah, le cut, ça ne servira à rien, en vrai. J'ai de quoi me soigner, j'ai de quoi massacrer, tout va bien. Mais je pense quand même que ça va être un petit peu chaud, quand même. Hein. Waouh. Faire fuck. C'est un loup-garou, ça. Ouais, c'est un loup-garou. Allez, viens là, petit loup-garou. Ah, mais... Alors comme ça, on garde oh, la méga putain. Michette. J'en ai un balèze, là. Il va me falloir un coup de main. Chef, vous êtes sous terre. Il y a une ouverture au-dessus. Utilise-la. Et j'arrive. Tenez-vous en attendant. Merde. Ah, je vais essayer, hein. Oh! Parfait. Je crois savoir. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, pour l'instant, il y a un petit masque. Putain! Mais, attends, on va essayer. Aïe! Je suis juste au-dessus, chef. Ok, c'est indiqué la cible. Jamais un seul moment de répit. Ouh! Attends, je l'ai pas eu? Je recharge. Juste une minute. Merde, pardon.
toute façon, c'est là qu'il faut le... C'est évident qu'il faut le tirer par là, quoi. Ouf. Putain. Ok, capitaine, c'est bon. Bon, on va dire que je l'ai quand même battu sans l'explosion. Voilà, parce que je suis trop fort. Hein? Ah, ah non, pardon. J'ai vendu la peau de l'ours sans l'avoir tué, je sais pas quoi pour lui. C'est littéral. En fait, c'est littéralement le Seigneur Green en fait. D'accord, cool. Parlons, papy. Allez, papy. En fait, il y a des chances que ce soit un ancien roi d'ailleurs. Donc la référence à Gwyndoline, ça peut marcher. Sauf qu'il n'y a pas de plein plein pont là. Il y a une bonne grosse OST épique là. Attends, je me soigne. Par contre, c'est... Ah! Pardon, j'allais dire il n'est pas efficace, mais... Pardonne-moi de donner mon avis, ta fille. Putain. Allez. Allez, Chris. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même vachement vénère. Hein. C'est un pléonasme. Hein. Ah, il est mort. Ah, oui, c'est bon. Arme biologique éliminée. C'était facile. Bah, je continue. Ah, grand masse cristallisé. Ah, à mon avis, si je récupère ça, ça. Ethan dans sa prochaine partie. Ethan, pardon, dans sa prochaine partie, il va pouvoir le récupérer et le revendre. Mais bon, après, c'est donc, normal que Chris peut se protéger de à ça. À mon avis, Miranda s'en est débarrassée. Ah merde. Des choses qui m'échappent. Comment Miranda a appris l'existence de Rose? Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit. On verra ça plus tard. Concentrez-vous sur la mission. Oh putain de merde. Mais c'est le fœtus! C'est le méga fœtus surtout! Enfin, c'est un des méga fœtus! Oh là là! Ici Alpha, j'ai localisé le méga mi-7. Le giga mi-7! Non! Et c'est pas trop tôt. Oui! Explosif N2 en place. Cette charge devrait rayer le village de la carte. On fout le camp et on fait tout sauter. Pas avant d'avoir tué Miranda. Je veux être sûr de l'avoir cette fois. Elle est pour moi. Bien reçu, on bouge pas. Capitaine, j'aperçois Miranda sur... Ah donc c'est pas un petit explosif le truc, si je comprends bien. Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre. Je sais que c'est trop tard, mais je crois qu'on a dû parler du plan à Ethan. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. On pouvait très bien dire 2-3 phrases pour résumer à peu près les choses. Mais on n'avait pas le temps, non, non. Alors par contre, Ethan, il avait largement le temps de pouvoir looter absolument tout le village. Mais non, on n'avait pas le temps. Quand même, vous auriez dû le mettre au parfum. Ouais. Avant qu'il perde son cœur. Parce que là, tu t'es fait passer pour un méchant, là, en plus, Chris. C'est pas gentil. Je commençais à douter de toi, Chris. Ah attends. Mais c'est là que... Ah, oh, oh, oh le lore, oh le lore, oh le lore. Est-ce que vous êtes prêts pour le lore? Alors attendez, est-ce qu'on peut lire d'ailleurs le lore? Non. Alors. Non. Non, lore. Non, du... Oh Salvatore Monroe. Monroe, pardon. Affinité avec le cadou, faible. Fonction cérébrale étonnamment basse.
va te faire foutre, connasse. Alors, attendez, j'enlève mon pull parce que je commence à avoir chaud. Désolé pour le casque. Le cadou a provoqué des changements drastiques à l'intérieur de son corps, développant des organes semblables à des branchies de poisson et même une vessie natatoire. C'est-à-dire une vessie natatoire. Je pense. De plus, une division cellulaire irrégulière le fait se transformer en un poisson géant. Le sujet est incapable de contrôler sa transformation. Trop de défauts, une enveloppe inadéquate pour Eva. Mamie. Dimitrescu. Oh, affinité avec le cadou, très favorable. Fonction cérébrale normale. Sa vitesse de régénération est exceptionnelle. Elle peut cicatriser n'importe quelle lésion externe en quelques secondes. Et faire pousser des ongles pour obtenir de longues griffes en un temps de. En rien de temps. Cela entraîne également une croissance excessive de son corps. Donc voilà pourquoi elle est grande, quoi, si je comprends bien. Ah, ou sinon, non, c'est plus pour faire pousser ses griffes ou je sais pas quoi. Il a noté qu'en raison d'une maladie héréditaire du sang, le sujet doit régulièrement ingérer du sang humain pour maintenir ses capacités régénératives. Si l'équilibre métabolisme du sujet venait à être rompu par une substance toxique, je crains que son corps mute de façon incontrôlable. Une enveloppe inadéquate pour Eva. Oh putain, mais... Ouais, ma famille. Ouais, bah attends, tu... Bah en fait, Heisenberg avait raison depuis le début, quoi. Il est considéré d'ailleurs plus comme des cobayes que des vrais membres de leur famille. Alors... Ah, Heisenberg. Karl Heisenberg, avec le cadeau extrêmement favorable. Le sujet dispose d'organes électriques similaires à ceux des raies électriques appelés Narke Japonica. Ces organes sont reliés à son système nerveux. Il peut conduire et contrôler l'électricité dans son corps et créer des champs magnétiques capables de déplacer le métal. Un spécimen remarquable, mais toujours inadapté pour Eva. Oh, t'es chiante, hein. Et là, c'est... quand il s'appelle... Oh, putain. Donna Bendieto. Favorable, normal, malgré les troubles mentaux sévères. Putain, c'est vrai. À première vue, rien ne la distingue d'un être humain ordinaire. Néanmoins, elle peut sécréter une substance produisant un signal qui contrôle les plantes affectées par le mutamycène. De plus, lorsque les humains absorbent le pollen d'un certain type de fleurs, elle peut leur faire avoir des hallucinations. Cependant, elle souffre de troubles mentaux et a réparti son cadou entre ses poupées afin de les contrôler à distance. Donc ouais, en gros, c'est joué, quoi, si je puis dire. Cadou. Ça reste c'est adorable. C'est avec ça qu'il contrôle les armes biologiques. C'est quoi cette merde? En vrai, ça aurait été sympa. Genre qu'on ait, tu vois, ce genre de monstre dans Resident Evil 7 à la place des Moldeads. Je trouve ça plus effrayant, pour ma part. Plus stylé. Ah, le fight. Bah, ça, c'est le cadou, d'accord. Ça, c'est. Mais c'est qui elle? C'est ma femme? Mais oh, doucement. Attends. Oui, c'est bon. Pourquoi ils font les trucs réalistes là? On la reconnaît pas trop si c'est elle. Je pense que c'est elle, ouais, il y a des chances. Ouais, bah oui, il y a des chances que ça soit elle, quoi. Ah non! Mais c'est qui alors? Ah, ça doit être Miranda peut-être? Ah, je sais pas. Ah, c'est pas Evelyn ça de base? Enfin, ça, c'est une arme biologique, mais. Peut-être que c'est Miranda. Mais oui, mais de toute façon, les mutamycènes en général, les prototypes mutamycènes, je sais pas quoi, là, les armes biologiques de mutamycènes là, de base, c'est des gamines en plus, dans mes souvenirs. Donc elle a pris la forme de Miranda peut-être? Bah oui, en temps, oui, elle peut prendre forme. Donc là, à mon avis, c'est des explorateurs. C'est Miranda qui s'est occupée de Evelyn. Ah! Chère Miranda, pardonne-moi de prendre contact avec vous sous cette forme. J'aimerais me rendre à nouveau dans votre village pittoresque. Malheureusement, mes obligations en empêchent. D'ailleurs, je me demande si une femme immortelle comme vous se souvient encore de ce pauvre étudiant en médecine à moitié mort dans la neige. Ce que j'ai appris il y a 15 ans durant mon séjour dans votre village a littéralement changé ma vie. Vos recherches ont été une grande source d'inspiration pour moi. Cette idée de transformer les êtres humains en les infectant avec un organisme m'a fait d'un électrochoc.
J'étais sûr qu'un tel savoir pouvait m'aider à accomplir ma vision de mener ce genre humain vers une nouvelle étape de l'évolution. Mais après, même après deux guerres mondiales et à l'aube d'une troisième, ma conviction n'a jamais été ébranlée. Donc je crois que c'est Heisenberg. Ah non, c'est Spencer, d'accord. Ce que j'ai, néanmoins, à travers les nombreuses discussions que nous avons eues chaque soir, j'ai pris conscience d'une grande divergence entre nous. Votre but était de ramener une personne à la vie, tandis que moi j'aspirais à changer le monde. Et cette moisissure que vous étudiez n'aurait su mener à une infection à grande échelle. Je me suis dit qu'un virus serait le meilleur moyen d'y parvenir. Voilà pourquoi j'ai dû vous quitter. Je regrette toujours d'être parti sans rien dire. Pardonnez-moi d'évoquer ces souvenirs si je vous écris aujourd'hui. C'est aussi pour vous faire part de quelques nouvelles qui pourraient vous réjouir. J'en ai fait découvrir la clé de l'évolution. Il s'agit du Progenitor, un virus trouvé en Afrique. Donc le prochain résident dans sa ville va se passer en Afrique. J'ai l'intention de créer une société avec quelques amis et collègues pour mener des recherches sur ce virus. Je compte la baptiser Umbrella, en référence au symbole qui se trouve dans la grotte où nous avons l'habitude de discuter. Donc d'accord, Umbrella, c'est pas une société millénaire ou je sais pas quoi. Ma vision est une réalité, il me tarde de pouvoir vous montrer les fruits. Vous avez atteint un fruit, votre apprenti, Oswald E. Spencer. Donc, ah mais attends, donc Oswald E. Spencer, c'est le créateur de Umbrella. Enfin, pas Blue Umbrella, Umbrella. Spencer, ici. J'y crois pas. Donc c'est lui, d'accord, je pense. Donc, ouais, si, c'est bien elle. Donc Miranda, Evelyn et Miranda, d'accord, ok. Il y a même du bois, ça c'est cool. Putain, c'est encore Evelyn ça. Flippant. Eva, ça fait un siècle que la grippe espagnole t'a arraché à moi. J'étais tellement impuissante à l'époque, mais aujourd'hui je vais pouvoir te faire sortir du méga mycète et te ramener à la vie. Eva. Ah, regarde les trucs au plafond. Ouais. Ouais, mais c'est l'expérience du Mutamycète, c'est ça? Donc, mais c'est de Evelyn qu'elle parle, d'accord. Elle veut ramener Evelyn à la vie, si je comprends bien. Bon, elle est morte, quoi. J'ai dû tester les capacités génératives de ta nouvelle enveloppe. Après l'avoir démembrée, je l'ai ressuscité grâce au Kralès des géants qui régule le Métamycète. Il ne reste plus qu'à la fusionner au Mégamycète. Les cérémonies peuvent enfin commencer. Après t'avoir perdu, j'étais tellement accablé par le chagrin que j'ai erré dans une grotte pour mourir. J'avais tellement envie de te rejoindre. C'est là que j'ai découvert le Mégamycète. Complètement par hasard. En touchant cette substance noire, mon esprit a été submergé par la connaissance. Le Mégamycète décompose et absorbe la conscience des défunts. Je savais que si ta conscience était elle aussi à l'intérieur, alors il devient un moyen de te ramener. J'avais simplement besoin de la bonne enveloppe. Lorsque je suis retourné au village, j'ai introduit de la moisissure du Mégamycète dans les villageois. De cette manière, j'ai pu les contrôler et mener des expériences sur eux. J'ai fait cela sur des centaines de personnes dans le but de trouver une enveloppe parfaite. Pour plus de facilité, j'ai même créé un parasite que j'avais pas dit, c'est Cadu. Malgré cela, aucune de mes expériences n'a abouti. Certains sujets comme Alcina étaient presque parfaits, mais la plupart se sont transformés en lycan. J'ai ensuite été contacté par une organisation souhaitant m'aider. Je leur ai donné un peu de cette moisissure, ainsi que ton ADN. Tout ce qu'ils sont parvenus à créer, c'est Evelyn. Un autre échec. Ah merde, donc c'est pas Evelyn. D'accord. Donc Eva, elle veut ramener Eva, d'accord. Toutefois, ils m'ont été utiles. Grâce à eux, j'ai obtenu des informations sur Rose et j'ai compris quelle serait l'enveloppe idéale. Malgré quelques contretemps, j'ai pu vérifier son aptitude. Maintenant, mes recherches sont enfin terminées. J'ai attendu si longtemps de te revoir, Eva. Donc, en gros, mes couilles a perdu un être cher. Donc, l'être cher, à mon avis, c'est la gamine. Donc la gamine est morte pour une raison que je me souviens plus, que j'ai dû dire récemment. Et elle veut le ramener, quitte à foutre la merde partout. Quoi. Faut la tuer, hein. Donc elle, c'est Miranda. Il y a rien qui est derrière. Ah non, il y a un problème là par contre. Il y a un problème. Attendez. Oh le pauvre, il a... il a une drôle de gueule, hein, le... le mec. C'est vrai. Ah oui, la grippe espagnole. Oh le pauvre. Oh putain, il a pas eu de chance, hein. Rires.
Non, mais là, par contre, c'est... la photo, elle aime pas. Hein. Elle aime... Le pauvre. Ça fait voir la photo. Mieux. Oh putain, le pot. Ah, oula. Oh, c'est encore elle. Mais elles se ressemblent tous, c'est voilà. Hein. Oula. C'est parti. Là ? Les mains en l'air. Non. Amber Eyes, ici Alpha, dis-moi où est Miranda. Sur le lieu de la cérémonie. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle y est toujours. Putain, dites-moi qu'elle est encore en vie. C'est vraiment toi. Je suis content que t'aies rien, Mia. Pourquoi elle sourit ? Pourquoi elle sourit ? On m'a capturé. Pour faire des expériences. Attendez, vous encore avez dit Mia Winters ? En personne. Comment ça se passe là-haut ? C'est un peu la guerre, mais ça va, on se débrouille. Vous laissez pas distraire. Oula, qu'est-ce qu'elle a ? Je me rends à la cérémonie. Attends ! Tu comptes me laisser ici ? Tu nous as fait une promesse ! T'as dit que tu nous protégerais ! On a fait tout ce que t'as demandé ! On est même venu vivre ici ! Et ça m'était égal ! Tant qu'on pouvait rester ensemble ! Alors réponds-moi ! Où est mon mari ? Où est ma fille ? Est parti. J'ai pas pu le sauver, mais je peux encore sauver Rose. Oh putain, merde. Suis-moi. T'es pas en sécurité ici. Comment ça ? Surtout avec le géant métamycène. Oh, il s'est baladé au paradis. Je suis désolé, Mia, mais faut partir. Il faut qu'on détruise ce village. Non, tu te trompes. J'ai essayé de garder ça pour moi, mais... Qu'est-ce qu'elle va dire ? Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Ne me faites pas dire qu'on va affronter Ethan. Et encore moins, ne me dites pas que si il y a un prochain Resident Evil, ne me dites pas qu'on va affronter Ethan, je n'ai pas la force pour ça. Mais oui, en plus, c'est dit en plus qu'il était spécial, qu'il avait quelque chose de spécial, qui intéressait en plus Heisenberg, je sais plus à qui. Ah ! Non, attends. Non, on est où là ? On est où ? Ah, on a récupéré une main. Holy fuck. Il y a quelqu'un. J'ai froid. Bah, normal, t'es mort du con. On marche à la rivière. On peut se pencher. Mais Ethan, il a l'image, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Attends, oui, il s'est reçu plein de trucs dans la gueule. Le problème, c'est que si on... Bah, je sais pas s'il est... Il est soignable, en fait, Ethan. Merde, encore. Putain. Allez, Ethan. À cause de la main que les Baker lui ont recollé. C'est vraiment trop bête. Sérieux ? Il a eu le... C'est à cause de la main ? Qu'est-ce que tu... Evelyne ? Tu es mort. Je vois ça. Miranda. Non. Je dois encore sauver Rose. Putain, s'il te plaît. Non, c'était pas Miranda. T'étais déjà mort. Hein ? Non, qu'est-ce que tu racontes ? Ouais. Encore. Oh putain. Tu vois, Miranda t'a pas tué. Hein? À aucun moment t'as trouvé ça bizarre? Malgré toutes les blessures que t'as subies.
Mais c'est pour ça qu'il a survécu à... Mais c'est pour ça qu'il a survécu à toutes les chutes. C'est pour ça qu'il... Oh putain... Ah mais c'est pour ça aussi que quand il se régène avec la potion magique, je sais pas quoi, ses tissus se recollaient et tout. Certes, c'était imparfait son soignement et tout, sa régénération, mais en mettant la potion et tout, il pouvait se régénérer, c'est ça? Et c'est pour ça que quand Jack Baker lui a coupé la jambe, dans la cinématique secondaire, là, il lui a passé justement la potion bleue, enfin la potion de soignement. C'est pour ça qu'il y a des poids. Bah, une touche petite portion, quoi. Oui, c'est ça. Oh! Attends. Il y a 3 ans, Shelly Baker, t'as été tué par Jack. T'es mort là-bas, il y a 3 ans. Non, c'est impossible. Tu devrais même pas tenir debout. Arrête, tout m'embrouille la tête. Tu devrais pas tenir debout. Ta gueule! Qu'est-ce que je suis? Bah, il t'a limité, c'est sûr. De dur. Mais dans le sens dur, c'est vraiment, c'est, ça fait mal, le pauvre. Putain, la révélation qui nique totalement tout, quoi. Enfin, en soi, ça change pas grand-chose. Ethan reste Ethan, mais merde. Oh! Enfin, il se réveille. Oh, du sauciflard. Où suis-je? Dans ma roulotte. Vous faisiez un cauchemar. Duke. Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil. Mais je n'imaginais pas voir Miranda. J'étais inconscient longtemps. L'aube va poindre. Oh, ça va, une petite sieste, quoi. Duke, rendez-moi un service. Amenez-moi à Miranda. Je m'y attendais et nous sommes déjà en route. Ah putain, quel bro quoi, quel bro. Merci. Mais Ethan, êtes-vous bien sûr? Votre corps, comment dire, bon morceau. Oh merde. Oui. Oh merde. Question idiote. En parlant de question idiote, putain, mais vous êtes qui? Même moi, je ne puis répondre à cela. Et nous y sommes. Merci, taxi. Vous foutrez ça. Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants. Êtes-vous prêt?
C'est parti. Mon kiki. Faut que je me dépêche. Ah bah ça va. Oh putain, d'accord. Petite sauvegarde. Attendez, je vais aux toilettes. Deux petites secondes. Ça va être rapide. N'empêche qu'on se le dise, le coup de se faire couper la jambe par Jack, c'est du gros foreshadowing, hein. C'est un foreshadowing de malade, le truc qu'on a eu, quoi. Putain. L'union entre la vie et la machine. Je sens encore l'esprit de Lord Heisenberg. Heisenberg. Canon long V1 custom. Oui. Parfait. J'espère que ceci vous sera utile. Oui. Très clairement. Parfait. Parfait. Atelier, on va améliorer. Oh putain, mais oui. Ah, faut être riche pour ça. Le fusil à pompe. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. Parfait. Le fusil à pompe est surpuissant maintenant. Cadence de tir, évidemment. Votre périple touche à sa fin. Parfait. Pourquoi pas quelque. Surtout, soyez prudent. Merci, monsieur. Oh putain, il va manquer, hein. Ouais, il va manquer. Je vais le revoir, hein, c'est sûr, mais Hein, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Ah bah j'avais pas vu ça. On va fouiller un petit peu par ici. Bah, je crois qu'il n'y a plus rien, hein. C'est bon. Oh là là. On y est. On y est, les amis. On y est. La fin de tout un périple. La fin d'un stream, aventure, la fin de toute une souffrance. Peut-être pas la fin de Resident Evil, non, ça sûr, mais. Moins la fin du périple de It's and Way. Oh merde! Winter, y'a rien. C'est parti. Finissons-en. Bon, Ethan, plus vite. Bon, après, je pense pas qu'il puisse avancer très vite parce qu'il vient de se remettre juste. Il vient de se remettre pour. Allez, meurs! C'est chiant! Oh, tu sais quoi? Parfait. Là, je crois qu'on n'a pas le choix, hein. À mon avis, le boss ne va être un petit peu scripté, scénarisé, un truc du genre, quoi. Allez, oust! Hors de ma vue, galeux. Hors de ma vue, européen. Que le seul à faire que de me faire déranger par vous. Il faut que je continue. Allez, Ethan, plus vite. Tu vas y arriver. Oh, ma petite Eva. Oh, the fuck. J'ai adoré. Que je te déchire. Eva, c'est toi. Oh,
Tu m'as tellement manqué. Ta poum. Non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, c'est Rose. C'est Mia. C'est Rose, pardon. Mon pouvoir m'abandonne. Rose. Ah, finalement, c'est qui le plus con dans cette histoire? Miranda. Intéressant. Ton corps n'est décidément pas normal. Je confirme. Rends-moi Rose. Tout de suite. Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera... Ethan, maintenant. Oh, putain. J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment. Et alors, t'as mon histoire. Tu essaies de me l'enlever. Je prendrai ce qui me revient. C'est pas toi qui décides. Tous mes désirs seront comblés. Oh, c'est à moi. What the fuck? What the fuck? Tu as rempli ta fonction, Ethan. Tu as anéanti les pseudo-enfants et réveillé le glorieux Megamycet. Oh, ne t'en oh, fais pas pour la petite rose. Je te promets de la rendre très heureuse. Oula. Tu peux donc... Attends. Donc mourir. Tu vas t'en tirer. Aïe. Ce qu'est l'amour d'un parent pour son enfant, non? Comment on peut... Bah oui. Quand est-ce que tu vas te mettre oula, oula. Le crâne de Rose et ma fille et pas la tienne? Ça, c'est vrai. Petit peu de potion. Ah mais il a raison hein. Mais l'autre elle est devenue folle quoi, malheureusement. Oh putain. Merci la mine, merci. Ah, y'a une autre mine. Et toi, oula putain. J'aime pas les araignées. Putain, mais ça ressemble pas à un corbeau ce truc. Merci. Pour toi, oui. Oust, on en a vu, sorcière. Elle est passée où? Ah, elle est là. Ça t'assure ton rang du soleil. Il a raison. Ne bouge pas. Oui. Je bouge si je veux. Putain, j'ai eu de la chance. Après on n'enlève pas on finit tous. Ma gosse. Ah ouais, elle a dit le serait pour toi aussi. Ça vaut aussi pour toi. Aïe. Attendez. Ah, attends, je peux rien fabriquer. Tac, mission pistolet. Attends, je recherche Miranda. Aïe. Merde. Bon, quand est-ce qu'elle atterrit là pour que je m'occupe d'elle là? Ah bon, bon. Ouf, merde. Merde, mes excuses, sœur Miranda. Hop là. Ça me l'a pas touché là. Prends ça, sorcière. Le pacotis. Merde. Parfait. Qu'est-ce qui te fait rire, sorcière méprisante? Putain, mais c'est facile d'esquiver par contre, hein. Subis la colère. Ouf. Mais moi, je suis pas le dieu des ténèbres, je suis un père en colère. C'est encore pire. Parfait. T'as rien appris dans God of War, hein. Oula, what the fuck. Elle est là. Bien, je crois qu'il est temps pour toi de lâcher. Je t'en prie, dors. Va te faire foutre. Allez. Mais...
Elle est où? Montre-toi, Miranda, s'il te plaît. Il y a quelques cartouches qui t'attendent là. Ah, elle est là. Oh merde, putain. Je comprends ce que tu ressens. Ouh. Prends ça. Prends tes cartouches. C'est terminé. Prends ta... Allez, meurs. T'en face. Bah... Aïe 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 aïe. J'aurais dû me protéger. Ah merci pour les cartouches de fusil. Ah bah elle est sympa en tout cas hein Miranda. Non le tien déjà. Là. Voilà. Voilà, déjà. Allez, allez, meurs. Merde. T'es la première à être condamnée. T'as Ethan Winters en face de toi. Au port de la mort. Donc. Non. J'ai plus de quoi me soigner, tu te fous de la gueule. Attends. J'ai même plus de quoi me... Ah putain, je suis dans la merde. Et j'ai même pas de munitions pour mon 44. Attends, c'est du foutage de gueule ça par contre. Ah non, attends. Ah non, c'est bon. Attends, je recharge. Ah putain, je peux plus me soigner. Ah putain, fais chier. C'est pas grave. Ah, c'est la deuxième fois que je suis mort, hein. Comme quoi. Ok, attendez, attendez. Mm-hmm. Ok, je vois. C'est parti. Tu as rempli ta fonction, Ethan. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le globe. Je pense qu'à mon avis, je vais garder ça pour... Pour quand ça s'appelle les petites balles de pistolet, je les garde pour quand ça s'appelle. T'économises pas. Ah si, c'est pour les boules. Rose, n'est pas... C'est ma fille, pas la tienne. Faut que t'évites de tirer dans le vide. Ouais. C'est vrai. M'a sauvé du désespoir. Il m'a conféré ce pouvoir magnifique. Ouais, c'est ça. Ça t'a surtout rendu cinglé. Parfait. Ah, c'est bon, j'ai une idée. Parfait. Subis la colère du dieu des ténèbres. Oula. Non, fusil à pompe. Ah ouais, là par contre, on va faire attention. Bien, je montre-toi. Merde. Merde. C'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver, on va y arriver. Ah merde. Putain, mais quel con. Je vais récupérer ma fille. Ah, mais putain, mais... Bah. Je comprends ce que tu ressens. Mais pourquoi tu t'es pas protégé, Ethan? Mais c'est con. Terminé pour toi. Oula, oui, là par contre, je vais faire attention. Mourir un jour, je sais, t'inquiète pas, je connais tes paroles. Parfait.
Et toi, tu peux pas me la prendre aussi. Ça, ça. Si proche la mort, tu n'as plus besoin de... Ah merde, putain. C'est ma fille, bordel. Espèce de malade. Ton heure est venue. Parfait. Faudra que je pense à plus me protéger. Wow. Oh là là, attends. Ah merde, c'est pas efficace. Mais arrête de prendre ta touche, toi. Oh merde. Merde, tant pis, allez. Merde. Mes quatre nouveaux enfants, aucun d'entre eux n'a succombé à mes années de solitude. Et j'avais dit que c'était peut-être toi le problème. Tu es... Exactement, putain. En même temps, elle a perdu, je pense. Je réaliserai mes rêves. Allez. Putain, j'ai eu de la chance. Oh merde, pas ça. Merde. Je vais récupérer ma fille. Putain. C'est quand même tendu, hein. Attends. Tac. Attends, merde, je peux pas non plus. J'ai encore un soin, c'est bon ça. Tu n'as rien. J'ai des mines en plus. Je peux prendre la forme que je désire. Ouf, merde. Pardon. Mon vœu sera exaucé. Oh merde. Attends, je recharge, madame. Oh merde! Putain, là je suis dans la merde, là il me reste un truc de santé. Oh merde! Oh non! Non, recharge! Oh! Attends, merde. Oh! Mais putain, Ethan, elle est à 2 mètres de toi là, comme tu peux. Ah mais enfin. Oh, c'est pas vraiment un combat de boss original, mais c'est un combat de boss intéressant, ça va. Bon, je vais aller vendre son buste, sûrement 100 000. Là, je sais pas quoi. Et où il est le baby? Hein? The baby? Rose, my baby? My baby? My bro? Tout va bien, mon ange. Tout va bien. Ma petite mutamycène. Mon bébé, pardon. Oh merde. Oh merde, non. Ethan. Allez, Ethan, lève-toi.
trouver un moyen de soigner, de sauver par pitié. Chris, Ethan, t'as réagi. Tu l'as eu. Je crois que mais aussi. Ethan, il faut qu'on bouge. What the fuck? Putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'arrêtes pas, Ethan. J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi. Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai. Bon sang. Il y a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends? Vivante. Oh, mais regarde ma main, du coup. Mia. Je suis désolé. Je t'aime. Prends soin de Rose. Hé, hé. Hé. Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on n'est plus très loin. Veille sur elle. Apprends-lui à être forte. Et merde! Ah, fais chier. Adieu, Rosemary. Ethan. Non, quand tu sais que ta vie est maintenant désormais celle d'un... d'un truc. Je sais pas comment on l'appelle ça. Enfin, d'un mutamycène, quoi. C'est vrai que t'as pas vraiment envie de vivre, quoi. Il est parti en grande pompe. Non, hors de question qu'on s'en aille sans mon mari. Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où est Ethan. Jamais. Il est on fire. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est... Tu vois le gros point tout en feu là? Bah il est en plein dans le centre. C'était quoi? Je t'ai demandé de t'asseoir. Non. Où il est? Chris, dis-moi ce que tu as fait. Il est mort. J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Je suis désolé. Capitaine, faut que vous voyez ça. Le BSA n'a pas envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang. Quoi? Vos ordres, capitaine. Ah, ils sont littéralement en train de d'inverser les rôles, quoi. Direction le QG européen du BSA. Oh, ça me fait chier pour Ethan. Quelqu'un doit payer. Par contre, est-ce que c'est vraiment une humaine, Rose? Ça, faut voir. Oh, le château Dimitrescu, il est encore intact. Ça, par contre, je suis content. Au moins, la partie ancienne civilisation, enfin, ancien du village, ça va, il a survécu. Le village des ombres?
Ah, mais c'est les crédits, ça, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, ma foi, très grand jeu. Oh, oh putain, mais hey, laissez-moi raconter, là. Laissez-moi faire mon briefing, là. Putain, j'en ai marre. Ah, attends, c'est pas... C'est Rose ? Tu penses que le garçon arrivera à toucher la lune ? Mais personne ne peut toucher la lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. D'accord, alors là oui, peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. Oh, c'est pas une femme. Je dis des bêtises, je ne pense pas que la Je pense que tu joues Rose s'il y a un RE9. Il y a de très grandes chances. Très très grandes chances. Ouais putain, elle va emmener des... Ah putain. Elle va emmener des fleurs à la tombe de son père. Ah putain. Salut papa. Joyeux anniversaire. Désolée de pas être venue la semaine dernière. J'ai c'est pas mal grave. De tests à passer. Hein ? Ah non, je suis mort. Tu vas y arriver, chérie. Évidemment. J'ai pas peur. Du loup. Le devoir m'appelle. Je t'aime. Moi aussi, chérie, je t'aime. À la prochaine. Par contre, ces fleurs-là, ouais, je les ai pas... Reviens, chérie. À ton avis. Justement, aujourd'hui. On là. A un problème. On a besoin de toi, Evelyne. Hein? Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow. Wow, je plaisantais, Rose. What the je fuck? Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. Oula. Laisse tomber. Je peux gérer. Fuck. C'est qu'une gamine. Pourquoi il me dit quelque chose, ce mec, là? Ça serait pas quand il s'appelle, là. Le mec avec des lunettes, là, dans les anciens Resident Evil, là. C'était le grand méchant. Attends. Ça serait pas quand il s'appelle. Je mets en pause, tu vois, pour tu vois, comme ça, que je sois un oracle. Ah, putain. C'est, si, bah, de toute façon, ils vont dire le nom, mais... Ça m'étonnerait que ça soit lui, mais putain, il a trop d'importance, ce personnage. Tu sais. Eh, parle pas à ma fille comme ça, du con. Je sais. C'est dit le nom. Ah, putain. Ah, putain. Donc, ouais, c'est bien ce que... Alors, bah, techniquement, c'est une arme biologique, Rose. Donc le Mutamisen, c'est toujours pas fini. Il y a une personne au loin, là, qui marche. C'est bizarre. Ou alors c'est juste pour faire joli. Attends, qu'est-ce qui va se passer? 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 Oh! Chris Walker... Non, c'est pas Chris, c'est Walker. Bref. Ainsi s'achève l'histoire du père. Et comment celle du fille, de la fille? C'est ça? Capcom, plus vite! Capcom, allez, viens! Allez, Capcom, allez! Ah, d'accord. Difficulté standard. 9 heures de live. Vous pouvez sélectionner, d'accord. Les éléments survivants ont acheté une boutique spéciale concept art figurine. Les PC peuvent être échangés à la boutique spéciale contre... Ah! Les vidéos suivantes, les villages des ombres, version complète, making of, ok. VSX, ok. Défi complété, vous avez... des CV, bienvenue à l'enfer, l'OBS dedans, ok. Ok. Oui. C'est bon, laissez-moi respirer, putain. C'est toujours ça le problème quand tu finis Resident Evil, c'est que t'as tout plein de choses après. Donc attendez, on va voir les bonus. Donc boutique spéciale. Ok, on peut acheter le VSX, puissant fusil d'assaut à canon court, le couteau Karambit, l'USMI.
Ah ça c'est les, ouais, les armes de Chris évidemment. Le End Cannon PZ. Terminer l'histoire principale en hardcore. Le pistolet lance-roquette. Putain, on n'est pas dans Borderlands. Le sabre laser. Munition infinie pour le Lemmy. Ah, d'accord, faut, bah, faut améliorer. Oh ah, on dirait un Vintorez là. Oh, on dirait le Vintorez. Munition infinie pour le. Ouais, évidemment, le. Uniquement activable dans les paramètres. Là, j'ai. D'accord. Ah, il y a beaucoup d'armes en vrai. Mission infinie pour le Dragoon. Ah, la figurine d'Ethan Winter. On voit pas son visage, bien évidemment. Celle de Nia Winters, Rosemary, Chris Redfield, le Duc, la chamane, qui est en fait pas la vraie chamane en fait, un lican, le grand lican, le varolac, ça c'est, bah, c'est le loup-garou ça. Bah attendez, vous savez quoi? Attendez. On va voir un petit peu justement ça. On va voir un petit peu tout le bestiaire pour voir. Que les gens ne sont pas fait chier pour les pour rien, pour avoir fait tout ça. Bon, je fais attention hein, parce que sinon si j'achète évidemment le des objets que j'ai pas vraiment besoin. Hop là, canine, Nightfall, Lobo, Tundra, Soldat du VSSA, Megami 7. Miranda, transformation Miranda, transformation de forme volante, forme arachnide, Berserk, Rosemary Winters, adulte. Oh, après les armes, on n'a pas besoin. Voir le contenu. Ah, c'est bon. Alors, attends, Intan Winter, évidemment, on voit pas sa gueule. Ah, hey. Mais Capcom, quand même, il est mort, c'est bon. Mais après, on a déjà vu son visage. Hein. Ils ont, y a des gens qui ont levé la texture. Il ressemble à un mec tout à fait banal. Donc, Mia Winter, évidemment. Toujours en chaussons. Rosemary Winter, baby. Qui est très moche. Ah bah attends, c'est très facile. Chris Redfield, regardez-moi comment il est tout subi, il est tout... Il est très musclé, hein. Il a bien pris du gras et tout. Il est tout mimi. Ah merde. Donc, le Duc, évidemment. Je l'adore. La chamane, évidemment. Le lican, putain. Le fameux. Alors, bon, il y a beaucoup de poils au torse. Hein, c'est... t'as des problèmes de peau et t'as du poil au torse. Hein, c'est tout ce que ça te fait. Le grand lican, évidemment, qui sont assez chiants. Le varolac, c'est ça. Bah, techniquement, c'est un loup-garou. Hein. Ça a plus la forme de loup-garou qu'autre chose. Quoi. Même s'ils ne sont pas très plant... Ah, à peu près plantigrades. Digigrades, ouais. Mais sinon, ouais, c'est ce qui se rapproche le plus du loup-garou. Donc le Leas, c'est des trucs qu'on a affrontés, mais lui par contre il était pas ultra mitasané ou je sais pas quoi, donc on pouvait l'affronter sans problème. Alcina Dimitrescu, qu'est-ce que j'adore, c'est... j'adore son design. Donc évidemment Bella Dimitrescu, Cassandra Dimitrescu, Daniela Dimitrescu, Moriah Dimitrescu, non je connais. Oh là, par contre, il est vachement moche. Pardon. Mais c'est ça qui va. Ouais, c'est. Elle, par contre, cette créature a été créée par. Comment il s'appelle ? Par Miranda. On l'a vu justement une image dans le laboratoire. La fameuse transformation de Dimitrescu. Ouais. Ouais, non, mais. Faut pas être difficile, hein. Comme quand t'aimes Dimitrescu, tu l'aimes. Point barre, peu importe. La saloperie. Attends, y'a pas le baby ? Ah putain. Le fameux baby. Le bébé. Oh. Mais comment tu peux être avalé par ça, quoi ? Mourir en étant avalé par ça. Moro A. Moro B. Donc voilà, c'était dans cette forme-là que tu n'as pas pu le voir d'ailleurs. Petite queue là. Mais clairement. Il fait grave penser à un ennemi de Bloodborne, par contre. Hein. Clairement. Ou même de Dark Souls, hein, pour ceux qui ont vu... comment ça s'appelle le domaine de Quillag. La transformation de Moro. Oh là là, il est ignoble. Ah, il a les yeux partout. Karl Heisenberg.
Le fameux nazistocrate avec la plaquette du Wehrmacht ou je sais pas quoi. Le Wehrmacht, évidemment. Le Holler, le soldat Heinz, le soldat Schweiz, le soldat Jait. Qui a vraiment. Qui a la forme du prototype justement de l'avion furtif de la Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui savent. Ou un requin-marteau aussi. Le soldat Panzer, putain. Oh là là. Le Sturm, bah. Ah bah oui, c'est le gros méchant. La transformation d'Heinsberg. Chris Resubé. Uber High, Canine, Nighthawk, Lobo, Tundra, soldat du BSSA, le Mega Mi 7, qui fait un peu penser aussi au boss final de Half-Life 1, évidemment. Uriah Struggle, enfin, ouais, c'est un petit côté alsacien comme nom, qui était facile à vaincre en vrai. Miranda, qui est très stylé, mais je m'attendais, tu vois, à une transformation un peu plus corbeautesque, tu vois, un petit mélange, un petit hybride, ça aurait été stylé. Transformation de Miranda. Très stylé. Oula, oula, putain, ils se font plaisir pour les plumes. Hein. Forme volante. Forme arachnide. Berserk. What the fuck, attends. Ah non, d'accord. Et Rosemary Winters. Qui a quoi ? Ah bah, elle a le bouquin de son daron. Ok, bon bah, c'était bien sympa. Vraiment très sympa comme jeu, je le trouve. Merde, attends, mais. Bah. Ils sont où les concept... Attends, mais dis pas qu'il faut que j'achète des concept art. Ah non, vous déconnez. Ah, oh, c'est chiant. Ah. Oh. Bon, d'accord. Ah, concept art épilogue. Parce que c'est quand même intéressant de voir ce cas, comment ont été fait les choses. Et ce que... Attends. Concept art, voilà, ça ira plus vite. Et de voir ce qu'aurait pu être aussi Resident Evil 8, quoi. C'est intéressant, je trouve. Enfin, pour ma part. On a le temps, hein. On l'a fini en deux heures le jeu. Enfin, la dernière partie du jeu. De toute façon, faut bien l'acheter. Je me suis quand même fait chier à avoir ce jeu quand même. Allez. Merde. Attends, j'ai une idée. Ça change rien en fait. On peut pas tout acheter directement là. Désolé hein, mais ça aurait été plus utile, tu vois, qu'on nous permette d'acheter directement tout là. Parce que là c'est comme vendre des objets à Franck dans Dark Souls quoi. C'est, t'entends le bruit constamment quoi. Je veux acheter des paquets, monsieur. Mais on est bientôt arrivé, vous inquiétez pas. Ah, c'est bon. Parfait. Alors. Mia et Rose, attends, comment on enlève. Voilà. Donc, Ethan. Hop, oh, Ethan, j'ai l'impression qu'il avait. Il devait avoir des cheveux longs, de base. Et Mia devait avoir une chaise roulante. Être en fauteuil roulant, putain. Ok. Donc là, évidemment, c'est notre chère fille. Oh, putain, ouais. Clairement, quand tu vois ça, tu te dis que franchement, elle va avoir le... Alors, peut-être qu'elle devait apparaître même dans Resident Evil 8. Peut-être dans un épilogue, tu vois, un petit peu comme Red Dead Redemption 2. Mais ouais, il y a des très grandes chances qu'elle... qu'elle va... Que dans RE9, on la contrôle. Hein, quand tu vois qu'elle porte une arme et tout, là. Chris Redfield. Ah, oh, putain. La gueule. Ah, putain, mais oui, en plus. Il devait se rapprocher un petit peu du design du set d'ailleurs, mais juste avec la barbe. Mais non, ils l'ont rendu encore plus chubby, ils l'ont rendu encore plus musculeux. J'adore le design actuel d'ailleurs. Hein, parce que là, celle de la veste marron est un peu chelou. Là, les poteaux. Ah, ça, c'est les villageois qu'on a vus. Sympa. Et qui sont morts très rapidement d'ailleurs. Ah, notre cher ami le duc. Ah, ouais, ah bah, le truc du fœtus. Donc c'est le Mega Mi 7 de base, d'accord, c'est pas forcément un culte de ouf, quoi. Les trucs, les trésors qu'on récupère et qu'on vend, d'ailleurs, ça c'est cool. Attends, il est où, Heisenberg? Ok. Donc ça c'est le truc. Ah, ça c'est un délicat.
Un délinquant. Les fameux délinquants, ces petits jeunes là qui cassent des voitures et je sais pas. Ah, il y en a même qui devaient être en cheval, putain. Oh, stylé. Bon, ça c'est les loups-garous. Ça c'est des gros monstres avec leurs marteaux. Alcina Dimitrescu. Les fillettes évidemment, les strums qu'on voit dans le sous-sol, les strums qu'on voit dans les toits. La forme finale de Dimitrescu, tiens, même en 3D et tout. Oh, la saloperie. Enfin, la pauvre surtout, parce que c'est pas... C'est, voilà, c'est pas des méchants, quoi, comme je l'ai dit. Ils ont été manipulés, quoi. C'est triste. Le baby. Ah, putain. Évidemment, notre cher ami Monroe, avec ses excroissances. Putain, le pauvre. Aïe, aïe. Ah. Ah, d'accord, donc ouais, c'est bien, ils ont des cadeaux, c'est vrai, des cadeaux. Enfin, ouais, c'est ce que je veux dire. Donc la forme finale. Ouais, bon, ça va être chiant, hein, le rythme, hein, mais c'est toujours intéressant de voir. Oh, putain, je pense qu'on aurait bien pu être capturé par Monroe, quoi. Oh putain, mais, de toute façon, je pense que si on se faisait capturer par Monroe, on serait déjà mort intégralement à l'intérieur, quoi. Dessoudé, quoi. Oh là là. Non mais là, par contre on dirait des sosies, tu vois, qu'on voit dans les fêtes de village, les sosies de Johnny Depp là, de Pirates des Caraïbes. Et là c'est sa forme finale. Ah, stylé. Ah oui, c'est la version finale du marteau. Là, c'est évidemment le titan marteau, littéralement. Et Carla Bruni. Okay. Oh putain, c'est stylé. Ouais, franchement, ils se sont fait plaisir dans le design. Bon, là, c'est ouais, le design, le côté... Grim Reaper Fish. Donc, Grim Reaper, c'est peut-être la... Comment ça s'appelle? Donc, attends. Alors, la chauve-souris, je pense que c'est Lady Dimitrescu. Le poisson, bon bah c'est clair que ça soit Franck, non pas Franck, qu'est-ce que je dis, Moreau. La mort, j'hésite. Ah je sais pas, j'ai un peu de mal à... Après c'est, peut-être que je surinterprète un petit peu les choses, hein, mais peut-être que la mort c'est... comment ça s'appelle soit le marionnettiste, soit Heisenberg, je ne sais pas. Mais la sorcière par contre, ça doit être la sorcière qu'on a vue, quoi. En tout cas, c'est stylé. Hein. C'est putain de joli. C'est clairement du Tim Burton, par contre. Hein. Oh, c'est attends, meuf, pourquoi tu lis ça, ton gosse, quoi? Ça, tu vois, c'est Miranda qui faisait lire ce genre de choses-là à Rose, tu vois, pour la préparer. Alors, tu vois, là, je vais te sacrifier. Tu vas servir de réceptacle pour que je puisse récupérer ma mioche, d'accord? Donc évidemment Miranda morte, enfin à peu près morte, avec Chris Redfield. Oh putain, mais là non, là ça tourne dans Doom, là on est dans Doom, quoi. Doom Eternal, voilà. C'est censé être marrant. T'as par contre les artistes, ils se sont fait plaisir dans les concept art. Mais c'est ça qu'il faut faire pour tous les jeux, pour toutes les œuvres, faire plaisir aux concept art, quoi. Ah, ça ressemble à peu près à ma miniature. Oh putain, ça aurait été cool ça. Les villageois un peu plus près et dans un truc un peu plus délabré. Une horde littéralement en mode. Comment ça s'appelle? Warhammer Vermintide. Oh, ça aurait été stylé qu'on les voit grailler. Oh là là, c'est stylé. Ok. Donc, ouais, les fameux masques. Et la garde-robe de Dimitrescu. Le sous-sol avec la vinade. Oh putain, j'avais pas vu. Enfin, j'avais pas vu en demi-seconde, le temps que je le voie, mais la petite Dimitrescu qui est au fond. Mais Dimitrescu, elle est stressante, hein. Elle est pas effrayante, elle est stressante, je trouve. Ah oh, putain, j'ai oublié la boule de Heisenberg. Le moule-boule. La fameuse clé. Ah ouais, il y a la main. Ah, t'avais raison, Reisek, pardon, putain, j'en ai marre de dire le T. Reisek, Dimitrescu, elle nous voyait depuis le début, quoi. Ah putain! Ah c'est flippant! C'est flippant! Ah c'est horrible!
Ah, là encore plus, c'est encore plus horrible quoi. Donc les clés. Oh putain, ouais. Putain, à mon avis, ça aurait été cool, tu vois, qu'on affronte Dimitrescu dans les flammes de son château, dans un incendie et tout. Ou genre l'incendie de ses jardins. Mais putain, ça aurait été encore plus stylé quoi. Oh. On voit des choses qui auraient pu apparaître, genre tu vois vraiment un affrontement comme ça, tu vois, qu'on affronte la première version de Dimitrescu, et que ensuite quand on a réussi à s'échapper au dernier moment, je sais pas quoi, ben on la retrouve, mais en la poignardant et tout pour qu'elle soit le putain de dragon là. Là à mon avis il y aurait ça doit être l'une des filles de Dimitrescu. Oh putain, on aurait pu avoir une épée putain, ça aurait été encore plus mieux qu'un canif. Donc là, il y a des pu... Ah, mais... Ah, il aurait pu avoir des canons. Donc la fameuse dague. Alors, la dague du milieu, en plein milieu, me fait penser à quelque chose, mais je vais pas le dire parce que... C'est un peu dégueulasse. Ah, donc là, c'est vers la marionnette. Ouais, c'est le jardin de la marionnette. Ah, putain, le trésor. Mais comment le trésor? Comment on aurait pu avoir le trésor? Oh, la vieille bâtisse. Oh, la saloperie de vieille bâtisse. Donc là, le mannequin, évidemment. Déjà, Monroe? Sympa, la manivelle. Ah ouais, ça aurait dû être un peu plus moderne d'ailleurs. Mais si ça aurait été trop moderne, ça aurait été un petit peu dommage. Parce que ça aurait pas collé au village. Parce que le village n'est pas non plus si moderne que ça, quoi. Il y a un tant soit peu de modernisme, pas tant que ça. Donc la vieille, évidemment. Ok. Ah, ouais, clairement, Ethan, il aurait dû avoir des cheveux plus longs. Ça aurait changé quoi? Rien. Mais ça aurait été stylé. Ok. Le BSSA, c'est ça. BSAA, pardon. Littéralement, les armes humaines. Oh, putain, mais les grosses cartouches qu'ils devaient tirer. Ah, putain, il y aurait eu des chevaux, quoi. Putain, mais... Même les concept artistes, ils foutent le mode FPS, quoi, en mode... Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Ah, le truc tout en longueur là, c'est là où on affronte les hordes de Lycan chez Heisenberg là. Ouais, c'est ça. Oh là là. Ah putain. Et c'est franchement j'adore le design de Heisenberg et de l'endroit où on est quoi. Oh là là. Ça a un petit côté quand ça s'appelle. Il y a un petit côté quand ça s'appelle Rage 2 et Cyberpunk 2077. Il y a des ennemis qui sont un petit peu comme ça, quoi. Mi-humain, mi-mécanisme avec du truc rouge et tout. J'aime bien ce design. Oh putain. Oh là là. Avec des gros canons. Boum. Oh, t'imagines. Oh là 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 là. Oh, ça aurait été encore plus énorme. C'est déjà génial, mais là, c'est évidemment la phase finale. Oh là là, putain. Oh, c'est génial de tout découvrir. Oh putain, la lune rouge, ça aurait été encore plus stylé. Donc l'affrontement contre Miranda. Je pense qu'ils ont utilisé des PNJ, tu vois, du jeu. Pour faire les dessins, quoi, pour faire genre. Pour voir ce qu'ils auraient pu faire et tout. Eh, ça aurait été stylé. Oh, et franchement, ça aurait été stylé, ce genre de design, là, tout bleu et tout, quoi. Au lieu de tout marron. Mais bon, après, voilà, c'est mon point de vue. Donc là, c'est... Ah... C'est la fin. Et là, c'est évidemment... la fin, évidemment. Ah, les armes, évidemment. Putain, mais ça ressemble vraiment à un Vintores, d'ailleurs. Enfin, pas vraiment un Vintores, à un côté pistolet Vintores, d'ailleurs. Mais c'est stressé. Je referai une partie hein, de Resident Evil 8. Oh, le trench gun. Mais pas maintenant, et maintenant je vais passer à Dark Souls 2 maintenant. Faut quand même que je le change un petit peu. Oh. Allez, si on fait plusieurs mains, les armes. Oh putain, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Amateur d'art. J'ai gagné un succès. Ah, j'ai vu tous les concepts d'art. Ma foi. Y'a rien d'autre. Ok, j'ai gagné 1000. Merci. Le village des ombres. Ok. Je vais voir ce qu'il y a. Figurine, j'ai fait. Concept art. J'ai rien d'autre, je pense. Hein. Oh, attends. Figurine, j'ai. Sérieux ? Attendez. Comme ça, tu vois, tout est fait. Pas tout, hein, évidemment, mais comme ça, c'est fait. Bon, je sais que c'est que des armes, mais j'adore les armes. Enfin,
je veux dire, j'aime pas les armes dans le sens où ça tue, j'aime juste leur design et ce que c'est. Bon. J'ai pas envie de me faire passer pour un psychopathe, moi. Même si techniquement je le suis, mais c'est encore... Voilà. Donc ça, c'est le fameux pistolet. Oh putain, me tire pas, me vise pas. Eh, putain, c'est bien détaillé, je trouve. Donc le gros pistolet, le Colt encore plus amélioré, le scorpion, et le scorpion encore... Putain, il y a un chargeur tambour, littéralement, quoi. Le petit trench gun, je vais y aller à plus Raystack. Raystack, pardon, putain, fais chier. Ok, le fusil à pompe normal de combat, le fusil à pompe... Oh, d'accord, oh, ouais, ça aurait été stylé. Mais comme j'ai dit, moi j'aime bien les vieux. Enfin, j'aime bien les choses vieilles, quoi. Il y aurait un gros canon. Oh, putain, c'est celui de Resident Evil 4. 3, 9, 8, 6, 7. Voilà, enfin. Ça, c'est le fusil d'assaut. Le carambit. Le ouf ouf. Ça, c'est... Oh, putain, oui. Mais je pense que je vais acheter de nouvelles armes. Oh, c'est stylé, c'est stylé. Ok. Donc, politique spéciale, je vais acheter des armes. Tout 40 bits, ça serait très utile, effectivement. Mais là, j'ai plus rien. Ouais. Bon, bah les gens, c'était vraiment très agréable de jouer à ce jeu. Beaucoup de choses, beaucoup de très bons trucs. Le gameplay incroyable, c'est vraiment le meilleur de Resident Evil 7. Avec un petit peu plus de côté d'action, même le côté d'action est vraiment maîtrisé. Le stress est vraiment palpable, c'est vraiment un excellent jeu. Vraiment, je n'exagère pas. Ça a pour moi surpassé le 7, dans tous les sens. Tiens. Évidemment, il y aura des DLC, je pense, un truc du genre, avec peut-être Rose, je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'était incroyable. Ça me fait chier que Ethan soit mort, vraiment. Mais je pense qu'il a suffisamment souffert, et je pense qu'il ne s'en serait jamais remis. Donc, en soi, c'est une mort qui est tout à fait... noble, si je puis dire. C'est une mort tout à fait méritée. Pas dans le sens « bien fait pour ta gueule !» Non, non, c'est vraiment une mort... Il est mort en ayant la satisfaction et la... Comment dire, il est vraiment mort dans le sens où il sait que sa fille est entre de bonnes mains et sa femme aussi, quoi. Donc c'est vraiment une bonne mort, je trouve. Donc, ben... Merci en tout cas d'avoir suivi cette aventure. C'était vraiment très agréable de parcourir cette aventure avec vous. Je vais faire évidemment un best-of de village et tout. Je vais mettre les VOD de mes aventures maintenant sur ma seconde chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas quand, mais je dirai sur Twitter et sur YouTube, effectivement. Donc, je mettrai les VOD ainsi que les miniatures que j'ai fait, tout ça, parce que c'est joli et que je me fais quand même pas chier pour rien, quoi, pour les broutilles. Donc, voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé. Et on se retrouve sûrement ce week-end pour le stream sur Dark Souls 2. Voilà. À plus.